on aura fini avec toi dans ce village, tu n'auras plus le temps pour parler. Ne parlons même pas d'entendre. Tu es allé chez le roi pour faire un procès contre nous. Oh, 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 nous allons te faire payer. C'est malheureux que tu aies oublié que nous sommes les seuls membres de la famille que tu as. Et Mamboro, Ichefuko. Et ça montre à quel point tu n'as pas de sens. Tu n'as pas de sens. Avant, on avait pris la terre de ton père. Et maintenant, on va prendre cette maison. Et rien ne va nous arriver. Tu verras. Est-ce que je peux au moins vous... Ferme-la! La ferme! Silence! Comment oses-tu ouvrir ta sale bouche? As-tu perdu la tête? Oh, tu penses que tu peux toujours te défendre? Pas question. Mais Soma, tu n'es pas complètement fini. Mais plutôt, tu es fini complètement. On sait très bien comment s'occuper de toi. Attends, tu verras. On viendra te rendre visite. Oku, allez, sortons de cet endroit. Regarde-moi cette espèce d'idiot. Fille stupide, insensée et idiote que tu es. On s'occupera de toi. On reviendra. Imbécile. Nous allons revenir. On verra bien, espèce d'idiot. Là. Comment peux-tu me demander ça? Prendre quoi? Le roi est déjà sur les coups. Je l'ai juste dit pour l'effrayer. Mmh. La crainte de Ezife et de Anife est le commencement de la sagesse. Mmh. En effet, j'ai décidé de rester loin de cette fille. Oui, jusqu'à ce qu'on trouve une bonne manière de s'occuper d'elle, sans que qui que ce soit ne nous pointe de doigt. Voilà. Mmh. Oui. Mais lui prendre la maison là nous serait vraiment profitable. En tout cas, tu as raison. Cherchez un autre moyen. Maintenant, tu parles. Hey, mon cher ami. Trouvons un moyen de faire ça de manière discrète. Tu me regardes comme si ma visite ne te plaît pas. Mais So... Je croyais qu'on s'était déjà convenu pour devenir des amis. Ma princesse, s'il vous plaît, ne me mettez pas mal à l'aise. Vous êtes une bonne personne. D'ailleurs, tout le monde dans notre communauté en est au courant. Vous êtes l'opposé total de votre frère. Et je n'ai absolument aucun problème avec vous. Mais, est-ce que c'est une habitude que la princesse de ce grand royaume rendre les gens visite à la maison tout en apportant des cadeaux? Si la réponse est oui et que c'est une activité que vous avez toujours effectuée, je serai très ravie de recevoir vos cadeaux, ma princesse. Si la réponse est non, alors désolé, je ne peux pas. Je n'ai aucun problème contre vous. Pas du tout. À propos, je suis très content de votre visite aujourd'hui. Je vous accepte à bras ouverts. Et oui, on peut devenir des amis. Mais ma princesse, j'étais vraiment claire avec la famille royale que je ne voulais absolument rien venant d'eux. Rien du tout. S'il vous plaît, ma princesse. Maman, par rapport à ce que j'ai vu, cette fille ne sera pas d'accord avec tout ce que nous planifions. Elle est blessée et ça se voit qu'elle n'a rien à voir à faire avec nous. Bien, mais ce n'est pas une raison pour toi d'abandonner. En essayant, si ça n'aboutit encore à rien... Alors, continue d'essayer, encore, encore et encore. N'abandonne pas. Allez, maman. Est-ce que tu ne m'écoutes pas ou quoi? Je veux dire,
cette fille n'est pas du tout intéressée à tout ce qui nous concerne. Oui, Myriam. Si tu ne réussis pas à faire de cette fille ta meilleure amie, crois-moi, tu me rendras triste. Et je crois que tu sais ce que ça veut dire pour ce palais. Mon ami, ces gens sont vraiment désespérés. Qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Je veux dire, ils devaient se mettre à ta place. Si sa mère n'était pas la reine, est-ce qu'elle pouvait te conseiller à épouser un homme comme le prince? Ou peut-être la princesse, est-ce qu'elle allait accepter d'épouser un homme comme le prince? Qu'est-ce qui ne va pas avec la famille royale? Je ne sais pas. Ils doivent te laisser tranquille. Ils savent bien qu'aucune fille normale dans ce royaume acceptera d'épouser le prince et de vivre avec lui. Ils le savent. Mais la vérité est que la princesse Myriam est une très bonne personne. Je me suis très mal sentie après lui avoir dit de repartir avec ses cadeaux. Ma chère, tu n'avais pas de choix. Après tout ce que le prince a fait, tu dois leur faire comprendre ce que tu ressens. Tu dois leur faire comprendre que tu es catégorique. Qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Je ne sais pas. Ça, ce n'est pas... Jidorf! Oh mon Dieu! Kamsi Ochuku, mon amour! Oh mon Dieu! Jidorf! Content de te voir. Ravi de te voir aussi. Je ne savais pas que tu étais en train de venir. Oh, c'est parce que je voulais que ça soit une surprise pour toi. Oh, bien sûr que c'est une surprise. Ma chérie, je dois partir. Oh, pardon. Excuse-moi. Ok. Tidofo, c'est mon ami, Misoma. Je te verrai plus tard. Prends bien soin de toi. Regarde-toi. Quoi? C'était méchant. Et tu voulais que je fasse quoi? L'embrasser? Hein? D'ailleurs, qu'est-ce que tu es en train de faire avec cette villageoise? Quoi? Cette fille du village, c'est mon amie d'enfance. Nous nous sommes séparés seulement quand j'étais allée continuer mes études. Tu sais, ça m'étonne toujours pourquoi tu es venue dans ce village pour diriger un centre de santé. Hein? Une infirmière certifiée comme toi. Tidofo, je ne suis qu'en train d'appliquer ma profession dans mon propre village. Tu as déjà oublié comment ma mère était morte dans ce village? Ma mère est morte juste parce qu'il n'y avait aucun corps médical certifié pour l'assister quand elle avait fait l'arrêt cardiaque. C'est bon. C'est bon. Ah, c'était pénible. Ah. Ça, c'est juste une façon pour moi de dire que ce genre de choses ne se répétera plus jamais dans ce village. C'est vraiment courageux de ta part, ok? Merci. Et laisse-moi te dire, Emenike est en train de t'attendre. Je sais. Et je lui ai dit que cela deviendra effectif que s'il finit de construire l'hôpital ici au village. Comme ça, je vais trouver un remplaçant ici. Je dois corriger une chose ici. Je ne suis pas seulement une infirmière certifiée. Je suis devenue docteur dans le domaine de santé. Es-tu sérieuse? Oui. Toi? Oui. Je suis très contente. Alors pour finissons toi. Cette discussion. Tu sais qu'on ne fait que 45 minutes de route pour des villages à la cité. Mm-hmm. J'ai supplié Emenike de venir rester ici avec moi pendant un moment. Il a refusé. Cet homme, il est tellement têtu. Mais je l'aime beaucoup. Tu sais quoi? Il t'aime aussi. Hmm? Voilà pourquoi il veut retourner dans ce village pour vivre avec toi. Oh mon Dieu, je ne suis pas censé dire ça. Oh! C'est vrai? Emenike, ces gars. Tu sais, il m'arrive de me demander parfois, vous êtes engagé et bientôt vous allez vous marier. C'est bizarre parce que vous êtes les deux personnes les plus têtues que j'ai rencontrées sur la terre. Mon cher, c'est ça l'amour pour nous.
Toutefois, où est mon père? Il doit être à la maison, je pense. Tu viens avec moi? Non, 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 non. Vas-y, je dois rentrer aux cliniques. Ok. Kamsi, tu es en train de prendre du poids ici au village, hein? Bye. Je te verrai à la okay. maison. Ok. Hein? Au revoir. Rassure-toi de rentrer à temps, hein? Ok. Ok, prends soin de toi. Bye. Votre Majesté, ce n'est pas comme si on ne veut pas t'aider, mais le roi... Mais le roi quoi? Que vous dites pas mais le roi? Mais le roi quoi? Est-ce que le roi est ici? Est-ce que c'est le roi qui vous demande la permission? Que vous dites pas le roi? Donc sans son consentement, sans sa permission, vous n'allez pas m'aider? C'est ce que vous êtes en train de dire? Ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça comment? Mon prince, ce n'est pas comme ça. La seule chose est que le roi était clair avec nous. Que la famille royale a déjà une femme pour toi. Donc pour vous, je ne fais que me ridiculiser. Hey, non, pas du tout. Que voulez-vous dire par pas du tout? C'est exactement ce que vous dites. Que mon père m'a déjà choisi une femme, alors je n'ai plus le droit de choisir une autre femme. C'est ce que vous êtes en train de dire? Non. Que vous dites non? Mais mon prince, tu vois, puisque la femme que tu veux qu'on t'accompagne pour épouser n'est pas Messoma, hein, on n'a aucun droit de le faire. Vous avez une fois demandé de me faire une faveur. Hey! Juste celle-ci. C'est juste celle-ci que je demande et c'est ce que je trouve. Je vous rendrai la vie insupportable. Pour avoir refusé ma demande, je rendrai la vie insupportable pour vous deux. Je saisirai la vie de vos familles. Je ferai descendre le feu et des pierres sur vos maisons. Votre Majesté, mais... Pour la première fois, je vous ai demandé de faire quelque chose. Vous avez dit non. Votre Majesté, vous avez dit non. Je rendrai la vie insupportable pour vous. Ne vous inquiétez pas. Ebolouzi. 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 C'est ce que tu as dit. Hey. Anakuburotele. Il y a du feu sur la montagne. Qu'allons-nous faire maintenant? Je ne sais pas. On doit retourner chez le roi. C'est exact. Bien sûr. Allons le voir maintenant là, tout de suite. C'est très nécessaire. On doit se dépêcher. Votre Majesté, s'il vous plaît, nous devons permettre au prince d'épouser qui il veut, comme ça on pourra vivre en paix. Votre Majesté, il menace nos familles. Nous ne sommes pas en sécurité. Asseyez-vous. Merci. Les anciens de Amouifé, je veux vous remercier de venir me donner cette information. Mais je veux vous rassurer que le prince n'aura pas la chance de mettre à jour ses menaces. Seulement, il exhibe, vous savez, l'exubérance et les caractères d'un fou. C'est ça. La façon dont il a quitté montre que il y a quelque chose qu'il a à l'idée. Il n'a rien en tête. Vous devez juste vous calmer et comprendre qu'il ne peut rien faire. Benjamin se parade comme un terroriste, se disant mafia, l'homme de Babylone et tous ces noms vulgaires qu'il s'attribue. Il n'est rien. Je demeure le roi du royaume de Amaïfé. Oh oui. Et je peux vous rassurer qu'il a ses limites. Croyez-moi, je vais lui couper des ailes. Oniese Biko, permettez à votre fils d'épouser la femme qu'il souhaite. C'est la seule chose à faire. Sinon, que voulez-vous d'autre? N'est-ce pas les anciens? Hein? Laissez l'enfant faire son choix. Hein? Maintenant, laisse-moi te faire comprendre ceci, vieil homme.
Je dois épouser Cunette et il n'y a rien que tu puisses faire. Sinon, il y aura la guerre. La guerre entre toi et moi, la guerre entre la famille royale et l'homme là seul. Et tu connais l'homme là? C'est moi. Il y aura la guerre en Babylone. Il ne t'est jamais venu à l'esprit que je peux te jeter un sort. Et tu sais que je peux aussi jeter un sort sur toi. Penses-tu que j'ai peur de mourir? Tue-moi. Utilise cette charme que tu utilises sur tout le monde dans ce royaume. Utilise-le contre moi. Tue-moi aussi pour la mourir, mais rassure-toi que je vais me faire face à toi. Tu ne veux pas épouser quelqu'un que je ne connais pas. À bon entendeur, salut. Mais je pense que tu es assez âgé pour être sage. Sois sage. Sois sage. Sois sage. Pourquoi? Pourquoi il est si vénère? Attends là, ne bouge pas, ne bouge pas. Où est-ce que tu vas comme ça? Hein? Cette route mène directement vers le champ des bananes plantains de mon père. Et te voilà ici avec les bananes plantains? Une si grande quantité? Dis-moi, c'est la fête de toi qui? Excuse-moi. Que je t'excuse? C'est quoi ton problème? Les propriétaires de ces domaines m'avaient demandé de prendre ces régimes de bananes plantains et l'apporter à quelqu'un. C'est quoi ton problème? Mon problème? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, écoute-moi. Je n'ai pas le temps pour les choses sales. M'as-tu entendu? La prochaine fois que tu voudras voler, évite le terrain de mon père. Tu comprends ça? Voleuse. Sale voleuse. Il vient juste de m'appeler voleuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Je la paye pour faire le travail, bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est vrai? Tu as vu de l'eau dans ma bouche quand j'ai parlé? Comment peux-tu te comporter ainsi? Mais père, comment je l'aurais su? J'ai présumé que... Une femme si responsable comme ça ira voler dans les champs de ton père? N'est-ce pas que comme si tu l'avais présenté? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais papa, la fille en question c'est une villageoise et... Et quoi? Toutes les villageoises sont des voleuses selon toi? Écoute, tu vas quitter cet endroit maintenant pour aller voir cette fille et lui demander pardon. Moi? Pourquoi lui demander pardon? J'ai juste commis une erreur. Judafo, je comprends que tu as des problèmes avec toutes les filles dans ce village. Mais celle-ci est différente. S'il te plaît, va la retrouver et demande-lui pardon. Ok père, j'irai voir Kamsi pour qu'elle m'aide à lui demander pardon. Voilà ce que je vais faire. Ferme ta gueule! Donc c'est ainsi que tu es devenu. Je te demande de faire quelque chose, mais tu penses faire une autre. Ok, je vois. Tu penses que je ne suis plus assez fort pour te maîtriser. Ok, provoque-moi. Quand j'en aurai fini avec toi, tu comprendras pourquoi les coqs regardent le ciel quand ils boivent de l'eau. C'est pas ce que je veux dire. Mon ami, vas-tu te dégager d'ici et aller voir cette fille pour lui demander pardon maintenant? Regarde-moi celui-ci. Et laisse-moi te dire, ne pense même pas à revenir ici si tu ne l'as pas fait. Ok. Alors père, où est-ce qu'il habite? Elle habite au ciel. Missoma, je suis vraiment désolée. Je demande pardon en son nom. Peut-être qu'il n'était pas de bonne humeur. Il était très impoli. Il n'a pas cherché à savoir si j'étais payée pour ses boulots. Es-tu vraiment sûr que c'est le fils de ton oncle? Oui. T'inquiète. Je suis sûr que maintenant que nous sommes en train de parler, son père est en train de l'engueuler. En tout cas, vous ne vous ressemblez pas du tout. Il se comporte différemment de toi. Quand on parle de loup...
Je vous salue. Les filles. J'ai appris que tu l'as offensé. Et je suis venu demander pardon. D'ailleurs, comment saurais-je qu'elle travaillait pour mon père? Je veux dire, pourquoi une femme ferait un tel travail? Je te demande pardon? Judofo, je crois que je t'ai venu présenter tes excuses. Oui, je suis là pour demander pardon. Et depuis que j'ai commencé, je ne crois pas avoir dit quelque chose de mauvais contre elle. Toutefois... Je t'ai apporté ça. Ça, c'est pour toi. C'est pour m'excuser. Désolé, je n'ai pas besoin de ton argent. Je veux bien. Tu vas bien, donc tu n'as pas besoin d'argent. Judofo, s'il te plaît, pars. Excuse-moi? Pars! Ai-je dit quelque chose de mal? Hein? Ne peux-tu pas voir qu'elle a besoin d'argent? Pourquoi devrait-elle rejeter mon argent? Kamsi. Je suis désolée. Kamsi. Je suis désolée. Toutefois, je suis venu et j'ai demandé pardon. Si tu prends l'argent, ça ne me regarde pas. Je m'en vais. Judofo, prends tes stupides billets d'argent. Ah ah, quoi? C'est incroyable. Judofo, vraiment, je te dis, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Comment il peut réagir de cette façon? Je suis désolée. Crois-moi, je ne lui laisserai pas comme ça. Pourquoi ne réponds-tu pas à mes invitations? As-tu besoin d'un voyant pour te dire que je t'admire beaucoup? Vous m'admirez comme une servante du palais. Je l'apprécie, mon prince. Et c'est là où on en reste. Qui a dit ça? Hein? Qui a dit ça? Sais-tu que toutes ces filles qui tournent autour de ce palais, sais-tu que je peux les ignorer et t'épouser? Hein? Vous ne pouvez pas m'épouser parce que le roi vous a déjà choisi celle qui est destinée à être la prochaine reine de ce royaume. Et c'est qui la personne là? Vous le savez, mon prince. S'il vous plaît, est-ce que je peux partir maintenant avant que les gens ne découvrent que je suis en train de parler avec vous? Vas-tu te taire? As-tu aussi été banni de parler avec moi? Je vous verrai plus tard, mon prince. Faites-moi confiance. S'il vous plaît. Je n'arrive pas à comprendre. Dans ces temps modernes, ils veulent me briser, m'imposant une femme. Jamais, je ne vais jamais laisser ça arriver. Quel genre de monstre es-tu? Père, de quoi es-tu en train de parler? Qu'est-ce que tu lui as raconté? Judofo, c'était extrêmement méchant. Tu étais sans cœur. Père, tu m'as demandé de demander pardon à la fille. Je l'ai fait. Je lui ai même donné de l'argent pour m'excuser, mais elle a très mal agi. Elle a commencé à dire Judofo, n'importe quoi. Judofo, c'est toi qui s'est comporté en stupide. Quoi? Oui. Es-tu sûr que tu es mon garçon? Parce que je commence sérieusement à les remettre en cause. Pour l'amour de Dieu, père. Pour l'amour de Dieu, calme-toi. Hein? Ai-je tué quelqu'un? Mais pourquoi vous vous comportez de la sorte? Qu'est-ce qu'il y a même avec cette fille? Tu m'as déçu. La façon dont tu me vois là, tu ne peux même pas réaliser à quel point je suis déçu par toi. Père. Père. Pourquoi il se comporte comme ça? Judofo, je ne sais même plus te reconnaître.
Tu vois, Quinette, je ne m'inquiète même pas de ton passé. Tout ce que je sais est que je t'aime. Et je suis très sérieux à propos de ça. Je comprends. J'apprécie aussi ta compréhension et ta maturité. Mais j'étais censée te dire de vérité concernant mon passé. Mais je dis que ça m'est égal. Donc soudainement, tu as trouvé un remplaçant. Donc cette chose ici est mon remplaçant. Salut mon remplaçant. Pardon. Arrête ça. C'est mon remplaçant. Donc ce dingue-là est à raison arrête de m'inviter. On a déjà arrêté, notre relation est déjà finie, moi et toi. C'est pas fini, entre nous. Je pense que tu m'aimais. Arrête, ne fais pas ça. C'est déjà fini entre moi et toi, non. Arrête. Non, fais pas ça. Non, arrête. Un fou rejeté. Non, fais pas ça. Je ne fais jamais. C'est déjà fini entre moi et toi, n'est-ce pas? Tu ne peux jamais être mon remplaçant. Allez, arrête. Salut votre majesté, je m'humilie devant vous. Longue vie à vous votre majesté. Prends place. Garde, laisse-nous. Tu veux changer d'avis? On m'a dit que tu ne voulais pas entrer ici au palais. J'avais souhaité parler avec vous à l'extérieur. Mais quand il fallait entrer ici, je crois qu'il ne me fera pas du mal à votre présence. Tu es donc en train de me dire que mon fils voulait te faire du mal? Raconte-moi. Ok, votre majesté. Je le dirai ici. C'est déjà fini. J'avais suivi votre conseil, j'avais mis fin à notre relation. Mais non, c'est à vous de les garder loin de moi. Je n'ai rien fait de mal pour mériter ça. Je ne l'ai jamais vécu de cette façon. C'était comme un autre Benjamin, mais qui avait le même visage. S'il vous plaît, votre majesté, qu'il reste loin de moi, s'il vous plaît. C'est bien noté. Sa majesté, tu ne dis rien du tout. Oh, baiser, je ne sais pas ce que tu veux que je dise d'autre. Parce que j'ai tout dit, déjà. Ton fils a été affligé par les ennemis de ce palais. Et il fait tout selon leur plan. Leur plan est de me forcer à développer une crise cardiaque et mourir prématurément. Mais laisse-moi te choquer. Je ne vais pas tomber dans le piège. Ezife, ça c'est une allégation très grave que tu es en train de dire contre ton fils. Il n'est pas un prince. Mais non, je dis, il n'est pas un prince. Les princes restent toujours à côté des têtes couronnées. Les princes ne disputent pas avec les têtes royales. Mais ce lunatique, que tu appelles fils, ne se tient pas à côté des têtes royales. Donc, automatiquement, il n'est pas un prince. J'espère que tu ne diras pas ça à l'extérieur, hein? Quoi? Hein? On doit demander des stratégies comment résoudre ça, parce que ça devient incontrôlable. Non. Ton fils ne devient pas incontrôlable. Il devient pire. Et tu es la cause. Nous revenons encore sur ça. Il est en train de détruire le nom de cette famille. Il ne devait pas baisser le bras, étant ses parents. Comment nous allons faire pour qu'il épouse cette fille? Qu'est-ce qui arrivera si il n'épouse pas cette fille? Est-ce qu'il y a de conséquences par rapport à sa mère? La vérité est que j'en ai déjà marre de ton fils inutile. Mais si tu veux des réponses à ces questions, je suggère que tu voyages à Nokwa. T'asseoir avec le grand prêtre de Nokwa et lui poser toutes ces questions. D'accord? Onyeze, si tu commences à te fatiguer de lui, qu'est-ce que moi je ferai? Odogunafuso, je suis ici à cause des questions que ma femme a posées. Je veux que tu regardes bien et me donnes les réponses. Est-ce qu'il y aura des conséquences si mon fils n'arrive pas à épouser cette fille? Bien sûr que oui, il y aura des conséquences. Peux-tu être plus explicite pour me lister
ses conséquences, s'il te plaît. Ça ne sert à rien, mon roi. Vous avez un fils très têtu. Mettez-le dans la rue, il sera un terroriste. Mais vous, vous êtes un roi. Odogo, j'ai menacé mon fils avec pratiquement tout ce qui est possible. Pour qu'il fasse ce que tu lui as demandé de faire. Même ma femme est allée jusqu'à annuler l'engagement qu'il a avec d'autres filles. Parce que nous voulons qu'il épouse celle-ci. Je suis allé jusqu'au point de prendre un ordre dans le palais. Que mon fils doit épouser cette fille. En fait, c'est accepté par nous tous dans le palais. Que le prince doit épouser cette fille, rien que cette fille. Le problème maintenant est que cette fille appelée Messioma A, elle a découvert le caractère de mon fils. Elle n'est pas impressionnée. En fait, elle a catégoriquement refusé. Elle a rejeté mon fils comme une merde. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Votre Majesté, si la fille en question a rejeté votre fils, c'est un mauvais signe. Est-ce que tu essaies de me dire quelque chose? Ce que nous tous devons comprendre est que le prince héritier de votre trône a le sang sur ses mains. Il a commis un meurtre. Il n'avait pas fourni d'efforts pour sauver la femme. Il l'avait laissée mourir et elle était morte. Et devant Dieu et les hommes, c'est une abomination. Je suis complètement d'accord avec toi. Ce qu'il a fait est en effet une abomination. Maintenant, il y a plusieurs conséquences pour ce genre de crime. Mais pour votre fils, c'est le mariage. Votre Majesté, j'expliquerai ceci en détail. Épouser Messoma n'enlèvera pas la malédiction sur votre fils. Mais qu'il arrive à aimer Messoma, c'est ça la clé. Oui, tu l'as déjà dit. Et nous travaillons sur ça. Messoma doit tomber amoureuse de votre fils pour qu'elle puisse lui pardonner dans son cœur. Et c'est alors que votre fils ne sera plus maudit. Comment ça va être possible? Odogunafozo, nous parlons d'un jeune homme qui ne comprend rien de l'amour. En fait, il ne croit pas en amour. Maintenant, comment il va changer d'un coup comme ça de telle emprise que il gagnera le cœur d'une femme qui va l'aimer en retour? Comment cela est possible? C'est possible, Votre Majesté. Votre fils peut faire ce qu'il veut, mais il n'est pas un homme libre. Si Messoma ne lui pardonne pas, Votre Majesté, il fera face à un très grand désastre de sa vie. Trouvez un moyen pour qu'il épouse cette fille. Qu'est-ce que je viens de dire? Benjamin, tu m'as entendu. Fais de Messoma ton épouse. Et je vais laisser ma place en tant que le roi du royaume de Amouifé pour que tu deviennes le roi. Pensez-y. Je n'ai pas assez essayé. Ou y a-t-il une loi qui dit que le roi ne peut pas laisser sa place à son fils de le succéder? Fais de Messoma ton épouse et tu deviens le roi du royaume de Amouifé. Et moi de même, je vais laisser ma position de la reine avec joie, pour qu'elle me remplace. Qu'est-ce qui est drôle? Et aussi j'ai de Cunette, parce que c'est elle que je veux épouser. Tu vas toujours épouser Cunette. Excuse-moi? Bien sûr. C'est écrit nulle part que c'est interdit au roi d'épouser autant de femmes qu'il voudra. Juste, approche Messoma et épouse-la. Et toutes ces choses suivront après. Juste comme ça? Bien, il y a encore une chose. J'attendais cette phrase particulière. Il a une chose de plus. Vas-y, j'écoute. Ce n'est pas quelque chose de difficile. C'est très simple. Juste pour toi de... Tu dois en fait travailler sur la fille. Afin qu'elle décide de t'accepter. Et elle doit être heureuse en tant que ton épouse. Et c'est tout. Ah, oh, père, tu penses que c'est une chose compliquée?
Je suis la piste liste ici. C'est pas que j'ai le plan de la forcer en tout cas. Nous savons qu'il n'y a rien derrière toi, sachant qui tu es. Alors pourquoi ne pas le faire à ta manière? En fait, nous voulons que tu parles à la fille, afin qu'elle t'accepte avec sa propre volonté d'être ta femme. Et là, elle sera heureuse d'être ta femme. Si tu peux le faire, je vais quitter mon poste afin que tu deviennes le roi. Et ta mère t'a promis, devant moi, qu'elle abandonnera également avec sa propre volonté sa position de reine pour ta femme, pour qu'elle devienne la reine du royaume d'Amouifé. Est-ce que c'est quelque chose que tu ne peux pas faire? Je dois l'amener à tomber amoureuse de moi? En quoi cela est possible? Quand je ne peux même pas me ramener au niveau de cette sale fille. Et comment est-ce que mes parents sont devenus si désespérés au point de m'amener à épouser cette sale fille? Et même jusqu'au point de vaquer leur trône pour moi. Ça, c'est trop extrême. Je veux dire, j'ai tué la mère de cette fille. Et ils attendent à ce que je passe le reste de ma vie avec elle? Est-ce que mon père va réellement vaquer le trône si je l'épouse? Non, ça semble vraiment impossible et inutile. C'est un jeu très sale et je vais le gagner. D'accord, je suis arrivé au terme de votre demande. Je suis prêt à épouser mes hommes. Mais il y a un virage que j'aimerais redresser. C'est quoi ce virage et comment veux-tu le redresser? Bien. J'épouserai Cunette premièrement et je ferai de mes hommes ma deuxième femme. Non. D'accord, la deuxième option. Que tu dénonces ton trône. Et après que j'ai été couronné roi, j'ai posé mes hommes premièrement. Pas question. Toujours pas question. Écoute, Benjamin. Ta mère a raison. Nous t'avons dit ce que nous voulons que tu fasses. Tu n'es pas en bonne position de nous donner des options. Si tu veux devenir roi, immédiatement, tu vas épouser mes hommes. Et je laisserai cette position pour toi. Mais si tu n'es pas prêt à faire cela, alors il faut que tu le saches que tu ne deviendras pas le roi. Jusqu'à ce que je règne en paix et rejoindre mes ancêtres en paix. Vous devez penser que je suis un fou. Vous devez penser que je suis stupide pour vous de balancer le trône comme ça devant moi. Pensant que je vais épouser cette Porsche parce que vous m'avez promis le trône. Laisse-moi vite te rappeler. Je suis ton fils unique, ton héritier. Ce qui veut dire qu'après toi, je deviendrai roi, que j'épouse mes hommes ou non. Cunette est celle que je vais épouser. Alors vous pouvez aller en affaire avec votre deal. J'en ai fini. Une chose de plus. Maintenant que vous avez semé vous deux cette idée dans ma tête, que je vous tue vous deux, ouais, tuez vous deux et émerger le roi et faire de Cunette ma reine. Nous allons diriger ensemble que vous le veuillez ou non. Comme je l'ai dit, j'en ai fini. Il est juste un imbécile. Je t'avais dit que ça n'allait pas marcher. Mais au moins, on a essayé quelque chose. Regarde comment on est devenu désespérés. Je le connais. Je ne voyais pas comment on allait les convaincre. Même si nous laissons notre position. Je voulais le
faire épouser Mezoma d'abord, en anticipation de devenir le roi du royaume d'Amouifé, avant d'être clair avec lui, que j'ai menti. Tu le sais toi-même qu'il est hors de question que je quitte le trône de Amaïfé pour un terroriste comme Benjamin. Non, ça c'est pas possible, pas au moment où je suis roi. Maintenant qu'il a compris, qu'est-ce qui vient après? Comment allons-nous l'aider à convaincre Missoma à l'épouser? On verra. Si bien. Kamsi, y a quoi? Y a quoi? Hein? Pendant combien de temps allons-nous continuer comme ça? Nous vivons sous un même toit. Alors garder cette distance entre nous, c'est pratiquement impossible. Hein? Et pour ça, vraiment, c'est regrettable. Si mon frère n'avait pas amené mon père à la cité, la maison de mon père n'allait pas manquer de gens. Et je n'allais même pas être ici. Oh non, dis pas ça. Arrête de parler comme ça. Tu es ma famille, pour l'amour de Dieu. Hein? Tu ne peux pas défendre cette fille-là. C'est une étrangère. C'est toi, ma famille. Missoma est mon amie. Elle n'est pas seulement n'importe quelle amie. Elle est devenue une famille pour moi. Et moi, je suis ton frère. Cela ne t'a donné aucun droit de la traiter comme tu l'as fait. Tidofo, ce que tu as fait était méchant. C'était méchant. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans cette villageoise qui a fait que tout le monde puisse me tourner le dos? Je ne comprends pas. Tidofo, je sais que tu es passé par beaucoup de déceptions et ton cœur a été brisé. Des expériences de la vie. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. Et qu'il y a des gens qui vivent le pire que toi. Mais Missoma ne mérite pas ce genre de traitement venant de toi. Ok. Si rentrer la voir pour lui demander pardon va te rendre heureuse, je le ferai. Ok? C'est mieux. Peut-être que je devais te raconter son histoire. Si je t'expliquais qui elle est, peut-être que tu comprendras que tu as été terrible envers elle. Tu as toute mon attention. Alors, vas-y, dis-moi, je veux savoir. Qu'est-ce qu'il y a dans cette fille? Jamais. Pourquoi prétends-tu que tu es un grand garçon? Mais quelque chose du genre petite chose qu'un bébé peut résoudre te paraît si difficile. Comment peux-tu expliquer ça? Qui t'a dit que j'étais là-bas pour lui parler à victime de ce voix? Je ne l'ai même pas considéré comme un bébé comme tu l'as dit. Et si tu n'as rien à faire avec ton temps, Marie, laisse-moi tranquille. Mais... cela devient clair que ce petit bébé détient la clé de ton avenir. Pourquoi ne la vois-tu pas différemment? La considérer comme une femme? Je sais exactement d'où vient ceci. Le père t'a poussé. Oh, c'est devenu soudainement un jeu. Tout le monde dans ce palais fait partie. Tu fais aussi partie. Benjamin, je vais prendre ça pour une insulte. Personne ne m'a impliqué dans quoi que ce soit. Oui, je sais que nous avons toujours eu des différends. Mais tu es toujours mon petit frère.
et je m'inquiète beaucoup à propos de toi. Oh, garde ton amour et intérêt stupide pour toi-même. J'ai un avenir brillant. Je n'ai besoin d'aucune orpheline pour me le ruiner. Benjamin, tu es la personne qui a rendu cette pauvre fille orpheline. C'est pour cette raison que je dois l'épouser. C'est pourquoi je dois l'épouser. Regarde-toi, tu ne veux même pas t'occuper de tes affaires. Je ne t'occupe pas de tes affaires, tu n'es même pas marié. Toi, salope à l'air, hagard. Je te l'ai dit avant, si tu n'as rien d'important à dire, disparais de ma vue. Je prie pour que tu apprennes comment t'aider. Mais ça n'a pas de sens. Complètement bizarre et injuste. Hein? Où était la police alors? Si tel est le cas, il doit être arrêté, c'est tout. Avec quelle preuve? Comment tu peux qualifier un prince d'un meurtrier sans de preuves concrètes? Tu oublies le pays dans lequel nous vivons? C'est un monde de plus fort. Oh, attends une minute. Donc, tu essaies de me dire qu'elle va laisser tout ça passer comme ça? Parce qu'elle va épouser le prince? Elle a tout laissé. C'est pour ça que je t'ai demandé de l'aider à trouver même un job dans votre compagnie. Mais elle manque l'attestation de fin de stage. S'il te plaît, n'ajoute rien. J'allais te le demander bien avant, mais je crois que maintenant là, ce n'est plus possible. Parce que Missoma que je connais, elle ne va plus jamais accepter quoi que ce soit venant de toi. Vraiment? Oui. Est-elle si catégorique? Très catégorique. Judofo, tu as tout ruiné et tu ne le sais même pas. Je suis désolé. Mmh? Oui, je suis désolé pour tout. Tu sais, je ne te connaissais pas assez. J'étais de retour au village et c'était ma première fois de te rencontrer. Au lieu d'être poli comme tout homme responsable devrait l'être, j'étais très dur envers toi. Et j'ai permis à mon côté sauvage de te causer du tort. Je suis désolé. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici pour te demander pardon. S'il te plaît. Mais si tu es toujours en colère contre moi, juste dis un mot et je m'en irai. Ça serait sans rancœur. Je reviendrai seulement un autre jour. S'il te plaît. Puis-je me mettre? Je vais le prendre comme un oui. Benjamin, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas permis de venir ici et tu le sais bien, n'est-ce pas? Tu le sais. Qu'est-ce que tu racontes? Que veux-tu dire pas, je ne suis plus permis de venir ici. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas permis de voir ma femme. Quinette? Oui, mon cher. Quinette, oh, j'ai trouvé le lien. T'as trouvé le lien? De quel lien stupide parle-t-il? Quel lien a-t-il trouvé? Qu'est-ce que tu racontes? Qui est-il? C'est avec cette chose que je compétis. C'est avec cet imbécile que je compétis. C'est la chose avec qui je compétis. C'est avec lui que je compétis. Je vais le jeter dans une gouttière où il appartient. C'est lui qui va prendre ma femme. C'est lui qui va prendre ma femme. Tais-toi, tu es malade. Tais-toi, sinon je te jette dans une gouttière où il appartient. Mais c'est quoi ça? Laisse-moi. Qui est-il? Qui est-il? C'est mon cousin. Qui est-il? C'est mon cousin, arrête! Peux-tu voir le genre d'insulte que tu apportes à la famille royale? Une ordonnance de restriction d'un juge qui correspond en fait à un emprisonnement. As-tu perdu la tête? De quel droit, Benjamin? De quel droit tu peux aller dans la maison de Quinette pour l'embrasser? Comment oses-tu me parler? Comment oses-tu me parler, toi, sorcière? Si ce n'était pas à cause de toi, ceci ne serait pas arrivé en premier lieu. Hey, Benjamin, que cela te soit la dernière fois que tu parles comme ça à ma femme devant moi. Je jure sur le bâton royal de mes aïeux que la prochaine fois que tu essayeras ça, je vais briser ton cou. Brise-moi le cou. Brise-moi le cou, c'est tout ce que tu sais faire. Mais je ne veux pas arrêter de parler à cette sorcière comme je le veux. Qu'y a-t-il au juste? Quinette est ma femme et rien ne m'arrêtera. Même cet ordre de restriction ne m'arrêtera de l'épouser.
écoute, tu as été interdit par l'ordonnance d'un juge compétent de ne plus jamais aller chez Cunette. En fait, cette ordonnance est très claire, que tu es mis sous restriction d'aller n'importe où se trouve Cunette. Alors comment vas-tu réaliser cela? À ma manière. Bien sûr, je vais utiliser ma méthode. Et ce juge imbécile qui a ordonné ça, je vais faire face à lui, lui couper le cou et le jeter au chien. Et tout policier qui m'aura poursuivi pour avoir approché ma femme, je m'assurerai qu'il perde. Je dis qu'il perde son emploi. Je m'en occuperai. Attends. Tu vois ça? Tu vas désobéir à une ordonnance compétente rendue par un juge compétent. Ne vois-tu pas que tu es insensé? Je suis ton fils. Laisse-moi te rappeler ce dicton. Tel père, tel fils. N'ose plus jamais parler à ton père de cette façon. Sorcière! Grande sorcière! Ne vois-tu pas que des vrais sommes en train de parler? Hein? Reste en dehors, sorcière! Je ne t'avais pas averti. Je ne t'avais pas averti que jamais dans ta vie, tu ne peux parler à ma femme avec ce langage insultant. Mais là, écoute-moi, toi, cet imbécile, la prochaine fois que tu vas encore l'essayer, je vais m'assurer qu'on t'enferme dans des conditions difficiles pendant une très longue période. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Disparais-toi devant moi. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Sors d'ici. Méchant, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. On se verra. Tu ne devais pas utiliser ça contre lui. Allô? S'il te plaît, qu'est-ce que tu venais de dire? Je suis désolée. Miss Soma, tu as fait quoi? Ah, tu m'as entendu? Alors pourquoi tu me regardes comme ça? Il était venu pour t'assister. Comment le saurais-je, après tout ce qu'il m'a fait? Et alors? Il s'est senti coupable, c'est pourquoi il est venu. Ma chère, il a reconnu ses fautes sûrement après que tu l'aies raconté mon histoire. Je ne vais pas non plus les nier, oui. Mais je voulais juste qu'il t'approche et qu'il apprend à te connaître. Si quelqu'un connaît ton histoire, cela ne signifie pas qu'il te connaît personnellement. Rien n'est éternel dans cette vie. Tu dois comprendre ça. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu accepter son offre. Je suis sûre qu'il le fait juste pour te faire plaisir. Il le fait pour me plaire. Mais d'une autre façon, peu importe comment tu le vois, actuellement c'est un gars très gentil. Eh bien, je l'ai accepté comme ami. Et cela ne doit pas être bénéfique. Alors, tu veux rester dans ce village pour être entouré de la famille royale qui te pousse à épouser le prince qui ne t'aime même pas? Oh oui, mon ami. Je vais demeurer dans ces villages jusqu'à ce que je réunirai assez d'argent pour aller au service national ou soit débuter avec du business à la cité. C'est à ce moment-là que je quitterai les villages. Miss Soma, permets-tu d'Ofo de te faciliter la tâche? Comme si ici au Tsuku, la seule personne qui peut rendre les choses faciles pour toi dans ces mondes, c'est le Dieu Tout-Puissant et personne d'autre. On peut partir? Tu es juste têtu. Est-ce qu'on peut partir? Elle est héritière du trône. Et cette fille a un rôle à jouer dans ses sens. Il pourra la perdre à cause de sa stupidité. Un autre homme pourra l'épouser. Et l'histoire des Imoufé changera. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Il doit trouver un moyen de gagner cette fille. Pas par force, mais elle doit voir le preuve d'amour. Elle va commencer à l'aimer. Beaucoup de choses sont attachées à la vie de cette fille. Il ne faut pas que ton fils la rate. Sinon, sa vie ne sera plus la même. Est-ce qu'il y a quelque chose que moi, je peux faire? Ou quelque chose que le roi peut faire pour la persuader? Je te demande toutes ces choses parce que
Mon fils n'est pas coopératif. Il n'y a rien que toi ou quelqu'un d'autre peut faire. Toute la charge est sur le prince. S'il y a quelqu'un qui doit chercher à être pardonné, ce serait ton fils. Il a commis un crime. Il doit faire face à ça. Sinon, la force de la nature les détruira pour apaiser. L'âme de Lulu serait disparue. Ça veut dire quoi que la force de la nature va les détruire? Attends. Tu veux dire que mon fils va mourir juste à cause de ça? Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a fait face à la force de la nature survive. Ton fils doit convaincre cette fille. Non pas seulement pour qu'il vive, mais aussi pour succéder son père. Ah! Oh mon Dieu! Oh, j'ai mal partout, hein? Oh, désolée ma princesse. Prenez ceci. Merci. Merci, ma princesse. Merci. Mais pourquoi? On est des amis, n'est-ce pas? Ça, c'est la seule façon à laquelle je peux t'aider. Du fait que tu refuses tous les cadeaux qui viennent de ma famille. Ma princesse. Mais ça, je ne suis pas là pour te juger ou être contre toi. Ça, c'est moi, ok? C'est moi qui veux juste être ton ami. Merci pour tout, ma princesse. À toi aussi, merci. Est-ce que je peux vous faire un truc à manger? Oh non, Meso, ça suffit. J'ai appris que tu es la meilleure amie proche des Musoma dans tous les villages, n'est-ce pas? Vous avez raison, ma reine. Alors, pourquoi tu ne lui dis pas la vérité? Moi? Oui, parce que quiconque décourage son ami de ne pas saisir l'opportunité de devenir une reine n'est pas une bonne amie. Avec tout le respect, votre majesté, je n'ai pas conseillé mon ami à rejeter l'opportunité de devenir une reine. Mais je lui ai juste conseillé de ne pas épouser ton fils. Hein, pardon? Votre Majesté, est-ce que je peux vous poser une question? Si vous étiez à ma place, est-ce que vous alliez conseiller votre ami d'épouser votre fils? Ou encore, pour faire mieux, mettez-vous à la place de Musoma. Vous alliez épouser un homme comme votre fils? 5 millions de naira. Quoi? Convainc ton ami à devenir membre de cette famille royale. Et je te donnerai 5 millions de naira, même plus. Quoi? Vous croyez que je vais changer d'avis juste pour ça? Écoute, ma chère, convainc ton ami d'épouser mon fils et je parlerai à mon mari de construire pour toi une clinique bien équipée. Je comprends, tu es un docteur, n'est-ce pas? Oui, tu as besoin de nous pour être complètement établi. Votre Majesté, vous oubliez que construire un grand clinique ne bénéficiera pas seulement de moi seul, mais de tout le monde dans ce village, y compris vous et le roi. Peu importe ce que vous pouvez donner, je ne vais pas accepter votre offre. S'il vous plaît, ça ne marchera pas. Et si tout est déjà dit, j'aimerais rentrer aux cliniques que de rester ici et entendre des propositions de trahison contre mon ami.
m'as appelé? Comment ça a été? Comment? Mais qu'est-ce que tu racontes? Bien, quand je suis rentrée, on m'a dit que tu étais allée voir Misoma. C'est pourquoi je demande pour savoir comment ça a été. Ah, j'étais allée voir Misoma. Mais maman, je suis très fatiguée. J'ai vraiment besoin du repos. On va en parler plus tard. Allez, attends. Est-ce que vous êtes quand même parlé? Est-ce qu'elle a montré des signes de quelqu'un qui y a pardonné? Maman, je ne m'étais pas rendue là-bas pour parler des histoires de Benjamin. Quoi? Maman, tu m'avais demandé de faire d'elle mon amie. Et c'est exactement ce que je fais. Je ne veux pas du tout la manipuler et l'impliquer dans des histoires qu'elle ne veut pas. As-tu perdu tes sens? Ton frère a fait quoi, maman? Pour l'amour du ciel, mon frère est assez grand pour prendre la responsabilité de ses actes. Je fais l'effort de faire comprendre à Misoma que dans cette famille, il y a aussi des gens bons. S'il y a bien quelqu'un qui lui a causé du tort, c'est Benjamin. Dans ce cas, il doit se débrouiller pour obtenir son pardon. Et pas papa, pas toi, et certainement pas moi. Ono, je suis confus. Cette bataille me dépasse. Je ne sais plus quoi faire. Ono, tu as des enfants. Quelle est ta relation avec eux? Comment évolues-tu avec eux? Y a-t-il un de tes enfants qui soit aussi stupide que mon fils? Comment fais-tu pour vivre avec ton enfant stupide là, si tu en as un? Croyez-moi, votre majesté, il n'existe pas une meilleure façon de s'occuper de ses enfants. Et surtout ceux-là qui sont têtus comme le prince. Mais si vous me demandez, je dirais que vous êtes occupé de votre fils avec la fureur, les ordres et échange des paroles avec votre fils. Pourquoi ne pas essayer avec le calme? Calme? Le calme, majesté. Vous savez, ayez une discussion apaisée avec votre fils et faites-lui voir tout ce qu'il faut qu'il fasse. Arrêtez d'utiliser la force ancestrale sur lui. Expliquez-lui les conséquences qu'il va subir si jamais Misoma ne lui pardonne pas. Et tu penses vraiment que ça va marcher? Je ne sais pas, majesté. Je ne sais pas. Y a-t-il un autre moyen? Ono, puis-je te poser une question? Je vous écoute, majesté. Ono, penses-tu que Misoma va enfin se décider à aimer mon fils? Votre majesté, à part mon âge comme un être humain et mon expérience dans la vie, je ne pense pas être assez sage pour répondre à cette question. Ceci est vraiment nouveau pour moi. Mes parents me parlent et personne ne l'attend. N'est-il pas nouveau? C'est parce que nous voulons que tu comprennes la gravité et le caractère désastreux de cette situation. Bien, Benjamin, je crois que ça peut être une façon pour toi de croire. Mais nous sommes tes parents et nous t'aimons beaucoup. Ce que nous faisons maintenant, nous ne sommes qu'en train de chercher une solution à comment résoudre ces problèmes. Nous cherchons juste un moyen pour que Misoma puisse te pardonner. Écoute, Benjamin, nous savons que tu ne l'aimes pas. Je sais également que ça va être difficile pour toi de la convaincre à t'aimer. Mais il y a quelque chose que tu peux faire en tant qu'homme. Nous voulons que tu agisses comme un homme. Il faut lui parler, comme comment un homme parle à une femme. Si elle est capable de te pardonner du plus profond de son cœur, alors nous sommes tous libres. Tu ne peux pas faire ça pour nous? Bien, je peux. Vraiment? Ouais, vraiment, mère. Ça peut être difficile pour vous deux de croire, mais j'ai ma manière. J'ai ma manière de convaincre les gens de pardonner et oublier mes péchés. Et maintenant que vous deux, vous me parlez comme des gentlemen, attendons pour voir comment les choses vont se dérouler. Ça, c'est mon garçon. La main droite. Tu peux me toucher avec cette main encore et encore. Je vais doubler l'offre.
sort de ma vie. Bien. Je suis vraiment désolée de vous décevoir. Mon prince, je ne suis pas du tout intéressée à tout ce que vous proposez comme offre. Pas du tout. Emballe toutes tes offres et sors de chez moi. Maison, pars! Répète-le. Je dis sortez! Partez de chez moi! Moi, le prince Benjamin, que je quitte cette porcherie que tu appelles maison. Es-tu malade? Je suis venu pour te faire une offre. Une offre à vie. Et tu me demandes de quitter ta maison? Je dis, sortez de chez moi. Partez. D'accord, je sortirai de ta saleté. Mais je veux que tu saches que je connais ton objectif. Tu veux me tourmenter. Tu as décidé de me tourmenter. Mais tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas réussir. Oui, j'ai tué ta mère. Ta mère est morte et partie. Il n'y a rien que toi ou personne puisse faire à ce sujet. Ne peux-tu pas avoir ça dans ta tête? Puisque tu ne veux pas accepter mon offre après toi mourir dans mes mains. Allez-vous-en. Sortez de chez moi. Partez. Oh! Tu m'as giflé? Je te giflerai encore et encore si tu me parles encore de cette manière. Je suis le prince et personne ne me parle comme ça. Puisque tu as rejeté mon offre, après toi commettre le suicide parce que c'est la seule option pour éviter mon courroux. Saleté! Garçon diabolique, tu es dans les ténèbres, on doit te sortir de là. Tu n'es qu'un fils maudit. Comment oses-tu ouvrir ta sombre bouche pour me menacer? Ferme-la, ferme-la. La seule raison, je n'ai pas encore commencé ça. Oh, sors de chez moi. Dégage d'ici, avant que je te maudisse. Oh, me maudire, sais-tu que je peux te briser le cou avant que tu n'ouvres ta bouche pour dire un mot? Mais je suis plus civilisé, alors sois patient et écoute-moi. Arrête de me tourmenter. Ça ne va pas marcher entre toi et moi. Je veux que tu comprennes ça. La femme dont j'ai accidentellement tué la mère, comment penses-tu qu'elle vivra avec moi? Elle me déteste et je la déteste aussi. Ça ne peut pas réussir. Le moindre que tu puisses faire, c'est de préparer une potion et donne-la lui. Qu'elle oublie que j'ai commis un crime contre elle. S'il n'y a aucune mémoire de crime, il n'y aura pas besoin de pardon. C'est ce que je veux que tu comprennes. Chukokeke va s'en rappeler. Les dieux de nos ancêtres vont s'en rappeler. Et ils vont continuer à te tenir pour responsable. Et bien sûr, je ne peux pas t'aider. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, vieil homme? Chukokeke n'est pas un homme. Il ne peut pas porter témoignage contre moi devant le tribunal. Et tes soi-disant dieux et ancêtres ne sont que des produits de mythes et de superstitions. Ils n'existent pas. Ils n'ont pas de pouvoir sur moi. Maintenant, dégage. Dégage de chez moi. Avant que je te maudisse. Oh, vas-tu te taire, vieux fou. Si tu ne fais pas ce que je te demande de faire, je rendrai ta vie insupportable. Je rendrai ta vie misérable. Est-ce que cela est censé être une autre menace? Je ne suis pas en train de te menacer. Je te préviens. Fais ce que je te demande de faire. Sinon, je te rendrai la vie misérable. Tu as une seule chance de plus pour quitter ma maison. Sinon, tu deviendras fou. C'est toi qui deviendras fou. C'est toi qui deviendras fou si tu ne fais pas ce que je te demande de faire. Je te rendrai fou. Je te tuerai. Je peux te tuer, vieil homme. Je peux te tuer. Il ne faut pas m'oser. Vas-tu faire ce que je te demande de faire? Vraiment? 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 Alors, attends-moi. Où est-ce que tu vas? Attends. Attends-moi. Attends. L'homme l'a fait quelque chose. Ok, je m'en vais. Mais sache que je reviendrai. Je vais revenir. Où est-il? Remercie Dieu.
Remercie tes dieux. Tu es de la famille royale. Honnêtement, je n'étais pas seulement déçue, mais embarrassée. Une reine qui est imbue d'elle-même. Si j'avais vraiment besoin d'argent, je ne serais pas ici au village. Je suis pratiquement en train de faire des œuvres de charité ici. Et honnêtement, je suis heureuse des compliments que je reçois des gens. Je n'arrive toujours pas à comprendre leurs agissements. Je veux dire, pourquoi sont-ils si désespérés? Et aussi égoïstes. Ils ne font même pas attention à ce que tu ressens. Tout ce qu'ils veulent de toi, c'est d'épouser le prince Benjamin et devenir membre de leur famille. Tu ne peux pas profiter de la mort de ta mère pour construire ton avenir quand même. La vérité est que cette femme ne connaît pas son fils. Elle ne les connaît pas très bien. Comment tu peux dire ça? Elle ne les connaît pas. Parce que si c'était le cas, elle allait savoir que trouver une femme pour lui n'est pas chose importante pour l'instant. D'ailleurs, il était là. C'est vrai? Il était ici aujourd'hui. Pourquoi? Pour la même raison que sa mère t'avait appelé. Mais pour son cas, il voulait que je puisse prendre de l'argent et faire comme si ma mère n'avait jamais existé. Quoi? Oui. Il m'a fait l'offre de démolir cette chose que j'appelle maison pour me construire un palace. C'est ce qu'il a dit? C'est ce qu'il a dit. Il est malade. Comme si tu avais tourné les dos à la reine. Mais moi, j'avais reçu une gifle. Quoi? Le prince Benjamin t'a giflé? Oh, ma chère, s'il te plaît, je suis désolée. Désolée. Je suis vraiment désolée. Ce prince est vraiment fou. Oh, mon Dieu, désolée. Je vais rassembler les membres du cabinet du roi. Je vais maudire le prince. Je fais partie du prestigieux Ebunoba de ce royaume. Je vais lui faire la guerre. Es-tu sûr que le prince a soulevé sa main et a giflé Messoma? Ai-je de l'eau dans ma bouche? Je te dis que le prince a giflé une fille de ce royaume. Et cette fille, qui est orpheline, m'appelle père. Je ne peux pas l'accepter. Soma, mais pourquoi tu te laisses malmener comme ça par la famille royale? Tu ne mérites pas ça. Hein? Pourquoi laisses-tu l'homme qui a tué ta mère te traiter comme ça? Hein, Messoma? Messoma, j'ai demandé à t'aider à maintes reprises. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as complètement refusé. Messoma, es-tu confortable ainsi? Hein? Ok, aujourd'hui, le prince t'a giflé. Alors, qu'est-ce qui arrivera lorsqu'il reviendra demain? Dis-moi. Jide, c'est comme je le disais. Je veux bien. Ça va. J'avais demandé à Kamsi de ne le dire à personne. Elle est allée faire autre chose. Meso, elle l'a bien fait. Hein? Qui restera silencieux devant une telle situation? Qui? Merci d'être passé, Jide. Mais maintenant, je dois aller au travail. Sérieusement? Mais Soma, dis-moi, tu vas laisser tout passer comme ça? C'est ma décision. J'ai décidé de tout laisser passer. Ça va? Désolée, je dois partir maintenant. Tu as fait? As-tu perdu tes sens? Tu étais ivre?
Tu ne dis rien. Une question à la fois. Ok, je vais répondre. Je vais commencer par toi, méchant roi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais simplement allé la mettre dans son coin. C'est ce que j'ai fait. Et toi, grande sorcière, tu m'as demandé si j'avais perdu ma tête. Non, pas du tout. Mais tu as perdu la tête pour m'avoir posé cette question stupide. Et toi, au visage multicolore, t'as le culot de me demander si j'étais ivre. Non, je ne l'étais pas. Ton père, ta mère, ta génération entière était ivre. Qu'est-ce que j'ai fait? Cette fille essaie de contrôler mon bonheur. J'étais simplement allé mettre un terme à ça. Est-ce un crime? À l'embarrassant avec des gifles. Je lui ai offert de l'argent. Beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a demandé de sortir de sa maison. Quel idiot stupide fait ça au prince Benjamin? Benjamin, cela n'est pas notre accord. Ce n'est pas notre accord. Tu m'as demandé d'aller gagner son pardon. Oui, va chercher son pardon et non aller l'harceler. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Comment peux-tu faire une chose pareille? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi mes efforts ne sont pas appréciés dans ce palais? Tu m'as demandé de faire quelque chose. Tu m'as demandé d'aller présenter mes excuses. J'étais allé, je m'étais humilié, essayant de lui présenter mes excuses. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de se ridiculiser. Est-ce de ma faute? Est-ce de ma faute? Et tu l'as giflé. Toi, le prince de Amofi Obodo Chukwu, tu as giflé une fille d'Amofi. Tout fier. Non, c'est ça, tout fier quoi dans ce palais? Toi, ne portant pas bien ton chapeau, ne t'occupant pas de sa faire, c'est le tout fier quoi? Vous trois me posant des questions stupides, ça c'est le tout fier quoi? Moi, aller encore là-bas lui présenter mes excuses, ça c'est le tout fier quoi? La prochaine fois que vous voulez me convoquer, rassurez-vous que ce soit quelque chose d'important. Hé! Hey, tout fier quoi? Oh biaisé! Au biaisé, je sais pourquoi je continue de tolérer ce bon à rien de ton enfant. Et ça, bien sûr, à cause de toi. Vois-tu comment il a rendu tout pire? C'est beaucoup pire qu'on l'avait anticipé. Je croyais que vous avez eu une discussion apaisée avec lui. On l'a fait. Et c'est ça le résultat? C'est évident. C'est évident que j'ai fait une grosse erreur en lui faisant confiance. Qu'allons-nous faire maintenant? Peut-être que tu as réussi à effrayer tout le monde dans ce village d'Amon et Fi. Mais aujourd'hui, moi je te défie. Mon cher ami, sors de là. Mais descends. Tu vas bien? Bien sûr. Et laisse-moi te dire qu'il ne s'agit pas de la taille du chien, mais de la taille du combat dans les chiens. Es-tu malade? Es-tu malade? Es-tu malade? Toi, veux-tu mourir? Es-tu malade? Es-tu malade? Est-ce que vous me connaissez? Connaissez-vous que je suis? Lâchez-moi! 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 Imbécile! Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose vient d'arriver au prince. Hein? Est-il de retour au palais? Oui, il vient de rentrer sans sa voiture et il était triste. Je pense qu'il s'est battu contre un groupe de gens qui l'ont battu. Ça c'est bien, ça lui apprendra. Ce n'est pas tout le monde qui pourra supporter ces insultes. Oui, c'est un garçon très têtu et très mal poli. Toi, tu aurais dû les voir vraiment. Quiconque a fait ça,
s'est bien occupé de lui. Regarde bien ce que tu m'en fais. Arrête de faire semblant et regarde bien ce que tu m'as fait. Tu envoies des voyous, des brigands pour me battre ton fils, l'héritier de ton trône. Pourquoi? Parce que j'ai refusé d'épouser cette sale truie. Je te fais une promesse. Tu vas le regretter. Toi et le royaume entier le regretteraient. Tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Toi et Amouifé tout entier le regretterez. Ouais. Au nom de toute la famille royale, je suis venu présenter des excuses pour ce qui s'est passé. Vous n'aurez pas dû vous déranger au point de venir, votre majesté. Je veux bien. Ça ne va pas. Mon fils t'a giflé. Je vais t'amener chez le docteur. Je n'ai pas envie de voir un quelconque docteur, votre majesté. Je veux bien. Tu sais, c'est seulement le docteur qui pourra dire si tu vas bien ou non. Je vais prendre soin de toi. Votre majesté, c'est mon corps. Et je peux vous confirmer que je vais très bien. Bien, si tu le dis. Mais je veux aussi que tu comprennes que mon fils n'est pas aussi terrible comme les gens le disent. Éventuellement, je crois qu'il sera ici pour te voir. Je vous ai entendu, votre majesté. Et j'aimerais que vous puissiez savoir que dans toute honnêteté, je ne suis pas fâchée contre le prince. Pas du tout. Donc, en quittant ici, je dois retenir que tu as pardonné mon fils. J'ai déjà tourné la page, votre majesté. Je tiens à ce que vous puissiez le comprendre. Voilà la vérité. Oh, papa, bienvenue. Papa, ton regard me met mal à l'aise. C'est quoi le problème? Tu dors fort. Papa? Il y a des rumeurs qui circulent partout qu'il y a un certain prince qui vient de se faire tabasser. Toi et moi savons ce que ce prince est. Et tout le monde d'ailleurs. Je n'aimerais pas croire que tu es impliqué dans ça. Ai-je raison? Je te demande ça parce que ce n'est pas de nos habitudes de recourir à la violence comme le meilleur moyen de résoudre un problème. Du moins, c'est pas comme ça que je t'ai éduqué. Bien, je pense que j'ai tort. Sinon, je serais très déçu par toi si je découvrais que tu es derrière ça. Ce qui est fait est fait. Je suis désolé. Parce que je t'ai déjà déçu. Pardonne-moi, papa. Et Zifé, qu'est-ce que cela veut dire? Signification de quoi? Quelqu'un a battu ton fils, l'héritier du trône. Et tu es là si confortablement, tu ne penses même pas à faire quelque chose. Tu veux laisser passer cet acte et laisser partir cette personne librement? Pourquoi tu ne fais pas rapport à la police? Et pourquoi jusque-là aucun d'eux n'est aux arrêts? Si je ne te connaissais pas, j'allais dire que tu as une mainmise dans l'affaire. Et j'aurais aimé le faire. Excuse-moi. Écoute, oh biaisé. La seule différence entre les gens ou la personne qui ont battu Prince et moi, la différence est que ce n'est pas moi qui les ai envoyés. Ils ont peut-être eu tort de faire ce qu'ils ont fait, mais crois-moi, ton fils Benjamin mérite exactement ce qu'il a eu. Donc ce que tu essaies de dire est que ces personnes ne seront pas poursuivies? Tu ne feras rien du tout. Après qu'ils aient battu ton fils, l'héritier de ce trône. Ezife, je sais que tu es très en colère contre Benjamin en ces temps.
Mais cela n'enlève pas le fait qu'il reste ton seul fils. Tu dois faire quelque chose. C'est de ton devoir de le protéger à tout prix. Tu ne laisseras pas passer cette situation. Eh bien, en ce qui me concerne, il ne s'est rien passé aujourd'hui. Et contrairement à ce que tu penses, je ne veux pas informer la police ou la sécurité royale. Point final. Mais si par la suite, ils arrivent eux-mêmes à arrêter les gens ou la personne qui a fait ça, laisse-moi te dire quelque chose. Je vais inviter la personne ou les gens dans ce palais pour la célébration. Parce qu'ils ont fait quelque chose de très noble. C'est donc vrai. Ça s'est réellement produit. Oh, je vois. C'est vrai. Donc, quelqu'un a trouvé ton comportement et tes agissements déplacés. D'où, il a décidé de te remettre à ta place. C'est vraiment un miracle. Oui. Va-t'en. Ou quoi? Tu vas me frapper? J'étais des filles. Tu vois? Je te mets au défi. Va-t'en. Tout homme qui ose lever sa main sur une femme est un animal et doit être traité de la sorte. Tu vois? Je suis vraiment sûre que c'est pour ça que tu as reçu cette frappe. Et c'est pas fini. Et tu en recevras encore. C'est bien. Tu parles toujours. Tu parles encore. Va-t'en! Va-t'en! Ma chère, je suis très contente. Hein? Je suis extrêmement fière de Jidofo. Je te jure, je suis fière de bien. Lui. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi est-il descendu si bas au point d'envoyer les gens les tabasser? Ils n'ont pas seulement battu. Ils ont réajusté son cerveau en les disciplinant. Juste un peu. Il ne devait pas. Je t'ai dit, c'est pas amusant. C'est amusant. Je suis contente. Oh, Guinédi. Qu'est-ce qu'il y a avec Prince? Yeah! Hey. Je ne suis pas contente. Tu n'étais pas obligée de faire ça. C'est moi qui avais reçu cette gifle. C'est moi qui devrais me venger et pas toi. Et moi qui pensais que je t'ai rendu un très grand service. Je sais que tu as voulu le faire de cette façon. Et je t'en suis reconnaissante. Mais des fois... Faire une bonne chose de la mauvaise façon n'apporte rien de positif. Meso, il a posé ses mêmes maudites sur toi. Je sais, j'ai déjà tourné la page. Tu ne devais pas aller si loin. Vraiment? Hein? Vraiment, Meso? Tu es la personne la plus bonne que je n'ai jamais rencontrée dans cette vie. J'étais venue ici dans le but de te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Et en même temps, te faire savoir que je ne suis pas contente. Au revoir. Mais je devrais le faire pour l'amour de Dieu. Hein? C'est fou. C'est fou qui se croit être prince à l'audace. Déposer ses mains sur elle. Et je lui ai enseigné une bonne leçon pour ça. Oui. Je l'ai défendu à ma manière. Je suis son héros. Mais qu'est-ce que je reçois en retour?
Messoma est venue me voir pour me dire qu'elle n'est pas contente de ce que je fais. Peux-tu comprendre ça? Hein? Kamsi, alors dis-moi, pourquoi ton amie est bizarrement indépendante et têtue? Dis-moi, pourquoi? Pourquoi ne peut-elle pas laisser quelqu'un l'aider? Pourquoi? Dudé, et pourquoi tu te fâches contre Missioma? Au moins vous allez apprendre à la connaître maintenant. Elle ne s'attendait pas à ça. C'est pour ça que tu m'as appelé ici. Tu dors fort. Ah, ça c'est très étrange. Tu dors fort. Votre Majesté, j'ai appris que... Ono, s'il te plaît, calme-toi. Tu te paniques comme si tout le royaume est en feu. Relax. Votre Majesté, vous parlez comme si je me trompe. Tu ne te trompes pas. Qu'il a été battu ne veut pas dire que le monde tend vers sa fin. C'est naturel, tout le monde peut être battu. Mais Votre Majesté... Écoute-moi, il n'est pas mort. Sinon, c'est ça, si c'est ce que tu veux savoir. Il est vivant. Ne devons-nous pas ouvrir une enquête pour découvrir les gens qui ont fait ça? Bien. Ono, tu es le Isiaga du royaume d'Amouife. Si tu as décidé d'aller dans cette optique, je ne vais pas t'arrêter. Mais de ma part, je vais m'asseoir ici dans le palais et régler d'autres problèmes que j'ai. Majesté, je sais que vous n'êtes pas content avec Benjamin, mais il est... S'il te plaît, tu commences pas à me provoquer. S'il te plaît. Qui es-tu? Et comment as-tu trouvé cette voiture? Mais je te demande, qui es-tu? Je réponds au nom de Mecca. Et c'est moi qui ai frappé le prince. Votre prince. Tu me dis la vérité, c'est toi. C'est toi qui as tabassé le prince. Pourquoi tu me regardes de la sorte? De toute façon, je voulais aider un ami. Mon ami, félicitations. Tu es notre héros. Tu es notre héros. Tu as très bien fait. Et donc tu me remercies? Oui. Et moi qui croyais qu'on va m'arrêter. Par qui? Par Sa Majesté. Ah, personne ne va t'arrêter ici. Oh. Toi et moi savons très bien que tu as bien fait. Tu as fait quelque chose que tout le monde ici souhaite faire. Tu as bien fait. Il fallait qu'on lui enseigne une leçon. Et c'était... pour moi, une façon spéciale de planter une semence de terreur dans le chef de ce brigand qu'on appelle Prince. Quand tu vas entrer, dis-lui que tu as trouvé la voiture et il n'y avait pas de chauffeur. Et comme ça, il pourra imaginer qu'il y a une bombe à l'intérieur. Tu es vraiment un maître, toi. Pas du tout bien aujourd'hui. Qui a ramené cette voiture? Quelqu'un que je ne connais pas. J'ai ouvert les portails et il a laissé ça.
La façon dont il est sorti directement, c'est comme s'il y a un problème avec cette voiture. Quelque chose comme quoi? Bombe, je ne sais pas. Ah, hein? Bombe! Ah, bombe! Bombe! Stupide bombe! Tu as bien? Mets ça dehors! Mets cette voiture dehors! Moron! Ah. Et tu l'as laissé conduire dans cette maison? Tu m'as même laissé approcher une voiture où il y a une bombe? Sors avec ça! Sors avec ça! Fou. Mets ça à l'extérieur! Que ça reste à l'extérieur! Fou! Et toi? Mets ça dehors! Hey. Ouvre la porte! Eh hey, oh! Toi! Tu as fermé la porte, tu veux que je meure ici? Oh, fou! Ouvre la porte! Hein? Pendant toutes ces années que j'ai travaillé dans ce palais royal, comme portier, je n'ai jamais été aussi content. Donc, je possède maintenant une voiture. Portier! C'est quelle sale blague comme ça? Tu es entré et tu fermes la porte derrière toi. Je ne fais que plaisanter avec toi. C'est quel jeu bizarre comme ça? C'est de trop ça! Oh. Allô? C'est une bonne chose que tu appelles. On nous a ramené la voiture. Certainement, ça doit être l'un d'eux qui a ramené la voiture ici au palais. Le temps que les gardes nous appellent, il est parti. J'ai été demandé d'envoyer quelques gens pour inspecter la voiture. Il paraît qu'il y a une bombe dans la voiture. Mère, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu racontes? Mon cher, c'était le chef de sécurité du royaume qui m'a appelé. Et par rapport à ce que nous avons discuté, il serait mieux pour toi de rester ici. Reste ici au palais. Ne sors pas jusqu'à ce que la situation soit maîtrisée. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que je demeure prisonnier dans ma propre maison? Dans mon propre royaume? Simplement parce que ces brigands, ces voyous m'ont tapé dessus. Ils m'ont dominé. N'est-ce pas assez mauvais? N'est-il pas mauvais que je n'ai rien fait? Veux-tu qu'ils pensent que j'ai peur? Écoute-moi bien, mère. Je suis le prince de ce royaume. Et j'irai partout où je veux et n'importe quand je veux. Je veux que tu saches une vérité. Oui, tu es un prince, mais un prince qui n'est pas aimé par notre peuple. Excuse-moi? Tu m'as entendu? Pour l'amour du ciel, Benjamin, ce n'est plus le temps de faire la tête. Ton peuple ne t'aime pas. Quand un truc pareil se passe au village et la nouvelle se propage aussi vite, jusque-là, il n'y a personne qui peut témoigner. Les investigations ont déjà commencé. Aucun n'est prêt à parler. On dirait que c'est un complot collectif. Alors mon cher, tu n'as rien à faire la tête. Si j'étais à ta place, je ferais marche en arrière, dans le silence, et rester dans la maison. Je ne vais pas mâcher mes mots. Je vais aller droit au but pour te dire que le prince a été attaqué. Je veux savoir si tu en es les responsables. Le prince était attaqué? Oui. Quand? Bien. Et où? Comment? Par qui? Est-il mort? Parce que ça sera un miracle. Ce n'est pas une blague, Ndouka. Ce jeune homme est toujours l'héritier du trône. Ce qui est dangereusement malheureux. As-tu une main mise dans cette attaque? Crois-moi, si j'étais derrière tout ça, on ne serait pas ici. On serait tous occupés en train de planifier son enterrement. Parce que aucun membre de Ebunoba frappe avec l'intention de laisser vivre. On frappe pour tuer. Je suis désolé de le dire, Ndouka, mais je trouve du mal à te croire. C'est à toi de voir alors. C'est pour ça que tu m'as arrêté sur la route. Je peux voir que tu n'as plus le respect pour les hommes qui contrôlent le jour et la nuit. Ndouka, écoute-moi.
si je découvre que tu as une main mise dans cette attaque, je ferai en sorte que tu payes et tu paieras cher. Allez, tu as les mains derrière toi. Allez, tiens-toi bien droit. Qu'est-ce qui te fait penser que tu vas me dire non? Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux aller contre mes ordres? Es-tu malade? Je dis, fais sortir la voiture, appelle 4 gardes, vous sortez avec moi, n'est-ce pas ce que j'ai dit? Oh, mon prince, je suis désolé, mais cela ne va pas marcher. Es-tu saoul? Que veux-tu dire, Baka, mon prince, ça ne va pas marcher? Es-tu saoul? Mon prince, je ne fais que suivre les instructions de la reine et le roi. De te garder au palais et de m'assurer que tu sois protégé derrière les murs du palais. Protégé qui? Derrière quel mur et de quel palais? Ai-je l'air d'un gamin? Certainement pas, mais je ne fais qu'obéir aux ordres spécifiques. Moi je vais contre cet ordre. Va me chercher une voiture, appelle 4 gardes, vous sortez avec moi. Mon prince, ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Aïe! Maintenant, ça va marcher. Prends-moi une voiture, appelle 4 gardes, vous sortez avec moi. Vieux fou. Tu es toujours là-bas. Tu es toujours là-bas. Depuis longtemps, j'ai subi plusieurs sortes de manques de respect et d'humiliation. Mais c'en est fini. C'est juste par respect pour la royauté. J'ai juré de vous protéger. Je n'ai jamais eu l'intention de me rebeller. Mais aujourd'hui, c'en est fini. Je ne vais plus tolérer une quelconque bêtise venant de toi. Tu as presque le même âge avec mon petit frère, Iwawane. Si Iwawane était ici, pourrais-tu te battre contre lui? Pourrais-tu? Hein? N'importe quoi. Votre Majesté. Je le comprendrai. Je le comprendrai si tu décides de quitter ce palais tout de suite. Personne ne veut être insulté. Personne n'apprécie quand sa clémence est prise pour acquise. J'ai compris tout cela. Mais je veux que tu le saches toi-même, que tu fais partie intégrante de cette famille royale. Et si tu quittes, ça va être difficile pour nous. Sans dire cela, je vais te présenter mes excuses. Du plus profond de mon cœur de ce que mon fils a fait. Quoi? Tu présentes des excuses? Merci, mon roi. Je t'en prie. Alors, je veux savoir, quel est... Je n'ai pas envie de démissionner, mon roi. C'est un soulagement. Merci beaucoup. Quel soulagement? Écoute, tu dois renvoyer cet homme. Cet homme a battu ton fils, ton héritier. Et tu veux faire quoi? Il veut le renvoyer, père. Dike, y a-t-il une autre plainte que tu veux déposer devant le roi? Non, votre majesté. Dans ce cas, je te prie de retourner à ton poste de travail. Reste ce bonhomme que tu es. Merci, mon roi. Non, tu n'as pas besoin de me remercier. Tu es un homme humble. Tu peux partir maintenant. Merci. Tu as charmé mon père. Merci, mon roi. Il y aura une deuxième partie. Il y aura certainement une deuxième partie. Donc, père... Père... Père. Qu'est-ce qui se passe ici? Il a charmé mon père. Tu ne mérites pas d'être respecté. Excuse-moi? Oui, je suis sûre que tu n'es pas sourd. Même toi? Un têtu phénoménal, Benjamin. Ton père est en colère contre toi parce que tu es insensible et très têtu. Arrange les choses avec Misoma. Et son cœur ne sera plus brisé à cause de toi. De quel côté es-tu vraiment, mère? Tu veux comprendre ce que j'ai dit? La même chose pour laquelle tu te parlais quand tu étais insensible. Quand est-ce que tu vas commencer à faire face à la vie comme un homme? Et je fais beaucoup d'efforts pour comprendre le fait que j'ai échoué d'y faire face.
Pourquoi vous essayez tous de rendre ma vie insupportable dans ce palais? Pourquoi? Bien, Benjamin. Quand tu vas commencer à agir comme un humain avec un cerveau qui fonctionne, c'est alors que ton père va commencer à te considérer. Pourquoi essaient-ils tous de me défier? Je connais la raison pour laquelle tu as insisté de venir jusqu'ici. C'est juste pour découvrir si ma maison ressemble à une habitation humaine. Alors, à présent que tu as vu ce que tu voulais voir, dis-moi ce que tu en penses. En effet, je suis venu ici te parler en privé. Mais parler en privé, mais à quel sujet? Que je dois arrêter les boulots qui me permettent de mettre quelque chose sous la dent? Tu dois, je ne ferai pas ce genre de choses. Je ne ferai pas. Messo, avec tout le respect que je te dois, ce que tu fais n'est pas un travail. Ne peux-tu pas le voir? Tu travailles comme une laboureuse dans un champ. On me paye pour ça. Je ne me plains pas. Mais moi, je me plains. Ne peux-tu pas voir que ça affecte ta beauté? S'il te plaît, regarde-toi. Hein? Laisse-moi t'aider. J'aimerais te sortir de cette souffrance. Je refuse d'accepter que je souffre. Je veux bien. Ça, c'est ma foi. Mon destin. Je n'apprécie pas le fait que tu viens ici souvent pour me mettre mal à l'aise. Je n'apprécie pas. Dis-moi, pourquoi tu te comportes souvent de la sorte? Hein? Pourquoi ne permets-tu aux gens de t'aider? Pourquoi? Jidofo, je crois qu'il est temps. Il est temps pour toi de partir. S'il te plaît. Pas. Il doit arrêter de faire ça. Pourquoi ne peut-il pas me laisser tranquille? Hein? Je suis vraiment surprise. Sais-tu ce qu'il a fait? Quoi? Il m'a empêché de faire les boulots que j'étais déjà payée pour ça. Il a demandé à d'autres personnes de le faire. Es-tu sérieuse? Oui. Mais tu devais te réjouir. Mais pourquoi tu te plains? Je ne suis pas d'accord. Je t'en prie, s'il te plaît, dis à ton frère de me laisser tranquille. J'ai déjà pris ma dose. Le monde a été très dur avec moi. J'ai été abandonnée. Je le sais. J'ai pas besoin d'aide. Je me suis toujours débrouillée seule. Dis-lui de rester loin de mes affaires. Qu'il arrête de venir ici. S'il te plaît. Tu m'as entendu? Allez, arrête de te plaindre. Au moins, moi, je t'ai pas abandonnée. À chaque fois que ton frère, le prince, m'offense, tu es toujours là pour t'excuser. Tu n'as pas à toujours faire ça. Je sais. Mais quand mon père m'avait raconté ça, je me suis tellement mal sentie, c'est pour ça que je suis venue m'excuser. Je suis vraiment désolée. Je ne sais vraiment quoi dire. Je t'en prie, pardonne-le. J'ai déjà oublié tout ça. Honnêtement, mon père l'a toujours conseillé et grondé à ce sujet. Mais tous ses conseils entrent par une oreille et ressortent par une autre chez lui. Et tu penses que je ne suis pas au courant, hein? Nous sommes tous habitués à ça? Regarde un peu ça. Tu es très âgé, tu peux être son père. N'est-ce pas une honte? Peut-être qu'il ne va pas accepter ça. Tu sais où en est mon petit frère? Il est plus âgé que lui. La vérité est que je le trouve comme un enfant têtu. Et nous devons tous le surveiller. Mon souhait est qu'il puisse arrêter. Ma princesse. Tu as un bon cœur et nous le savons tous. Mais cela ne veut pas dire que tu dois transporter toutes les charges ou tous les problèmes des personnes sur tes épaules. Hein? Tu n'as pas à faire ça. Un jour, ton frère sera instruit et on cessera de s'inquiéter de lui. Merci pour ta compréhension. Merci, ma princesse. Tu sais, un jour, tu auras ton propre fils et il te tabassera.
Qu'est-ce qui se passe dans ce palais? Tout le monde a perdu la tête? Et toi aussi? C'est depuis quand que tu es tombé amoureux d'elle? Qui? En fait, de quoi parles-tu? Didolfo, pourquoi tu ne permets pas aux gens d'interroger ton ego masculin? Je suis en train de parler de mon amie Misoma. C'est depuis quand que tu as commencé à tomber amoureux d'elle? Comme si. Puis-je te faire confiance? Didolfo, je suis dessus que ce soit toi qui me pose cette question. Bien sûr que tu peux me faire confiance, en n'importe quand et n'importe comment. Kamsi, la vérité est que je ne l'ai pas vu venir. Tu sais, honnêtement, je n'avais rien ressenti pour cette fille la première fois que je l'avais vue. Mais tout a changé. Tu sais, cette fille m'a consumé. Je me sens comme si je serais ruiné sans elle. Comme si, tu parais si étrange. Non, pas du tout. Je ne suis qu'en train de chercher pour toi une voie de sortie. Je suis en train de suggérer une voie de sortie de cette folie entre toi et la famille royale. Misoma, tu dois quitter ce village. Tu dois venir à la cité avec moi. J'ai parlé de toi à mon fiancé et il a promis de te trouver un job. Je n'ai jamais pensé à ça avant, mais rien n'est perdu. Honnêtement, je ne te comprends pas. Donc, tu vas abandonner la clinique juste comme ça? Non. Je serai avec toi à la cité juste pendant quelques jours. Et quand je serai partie, le chef d'infirmier va gérer les choses jusqu'à mon retour. Donc, tu essaies de me dire clairement qu'on ne sera plus ensemble? Oui. Juste comme ça? Oui, Misoma. Tu dois venir à la cité avec moi. Le contractant en question nous a finalement envoyé une autre liste. Selon lui, la maison qu'on est en train de construire est trop grande selon ce que le fournisseur demande. Alors moi, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un voudrait que sa maison soit petite. Bon, peut-être pour un célibataire, ça peut se comprendre. Voilà, jette un coup d'œil. Jude, es-tu là? Jude, ça veut dire quoi ça? Papa, ah! Papa, je suis là. Es-tu en train de prendre la drogue? Non. Non, papa, non. Je ne peux jamais la prendre. Tu me connais très bien. Bien. Mais alors, c'est clair que j'étais en train de m'adresser à moi-même pendant tout ce temps. Papa, tu parles à propos des coques. Il fallait juste me les remettre, c'est tout. Jidofa, y a-t-il quelque chose que je dois savoir? Papa, je suis amoureux de Misoma. Quoi? Et je veux l'épouser. Quoi? Papa, je reviens. Quoi? Je ne peux pas croire tout ça. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Suis-je en train de perdre le contrôle? Crois-moi, papa. Quand Didolfo m'a parlé de son amour pour Miso, je ne cesse de me demander comment je n'ai pas su quand il est arrivé. Tu le savais? Comme si tu savais que Didolfo planifiait d'épouser Miso, mais tu ne m'avais rien dit. Quelques heures passées, Didolfo m'a dit clairement qu'il est tombé amoureux de Miso.
Elle n'avait rien mentionné de mariage. Donc, il ne t'avait pas tout dit alors? Jide Ofo, maintenant seulement dit qu'il est amoureuse de Meso, mais il m'a aussi dit qu'il va l'épouser. Oh mon Dieu! Exactement. Tu es ici encore aujourd'hui? Bien, je ne vois pas la raison pour laquelle tu te donnes tant de mal. Je vais être très clair avec toi aujourd'hui. Je ne suis pas d'humeur pour une quelconque leçon. Et je ne veux pas que tu me crées de problème, s'il te plaît. Je ne veux pas. Tu vas juste rester là en ne disant rien? Pourquoi tu me regardes comme ça? Mais Soma, je suis amoureux de toi. Hein? Et je vais t'épouser. Quoi? Ah. Je sais que tu es choquée et surprise. Mais la vérité est que j'ai toujours été amoureux de toi depuis la première fois que j'avais posé mes yeux sur toi. J'avais juste essayé de faire semblant. Comprends-moi bien, s'il te plaît, comprends-moi bien. Je ne te demande pas de m'épouser sur les champs. Mais le problème est que je n'ai jamais rencontré une fille que je désire et que je souhaite épouser comme toi. Je sais ce qui te traverse l'esprit maintenant. Peut-être tu ressens la même chose que moi, mais tu ne le sauras jamais jusqu'à ce que tu me donneras la chance de t'aimer. S'il te plaît, Mesoma, je t'aime. S'il te plaît. Ok, écoute-moi. Si tu m'acceptes et tu restes près de moi, je te promets que je ne t'abandonnerai jamais, jamais dans ma vie. Mesoma, s'il te plaît, je t'aime. Tu es la seule femme avec qui je compte passer le restant de ma vie, s'il te plaît. Donne-moi une chance. Je t'en prie. S'il te plaît. Je veux que tu m'écoutes et m'écoutes bien. Je te fais cet audio pour te faire comprendre que tu ne peux pas m'ignorer. Tu ne peux pas m'abandonner. Tu es mienne. Écoute, tu m'as bloqué sur ton WhatsApp. J'ai un nouveau téléphone, j'ai un nouveau numéro. Je t'ai ajouté sur ce WhatsApp pour t'envoyer des messages. Si tu me bloques ici, j'achèterai un nouveau téléphone, j'achèterai un nouveau numéro. Je t'achèterai ici et je ne continuerai pas à t'envoyer des messages. Si je te cherche ici et je ne te trouve pas sur WhatsApp, j'irai sur Telegram. Je continuerai pas à t'envoyer des messages sur Telegram jusqu'à ce que je te frustre sur Telegram et j'irai sur Instagram. Je continuerai pas à t'envoyer des messages jusqu'à ce que tu me répondes. Tu ne peux pas m'ignorer. Si je réussis à te frustrer sur Instagram, j'irai sur Facebook. Je continuerai pas à t'envoyer des messages. Cunette, tu dois me répondre. Tu m'appartiens. Souviens-toi que je t'ai dit qu'il y a quelque chose de plus fort que les bars et les restaurants dans cette ville. Je t'ai dit que tu m'appartiens. Tu es cette chose dont personne ne peut me bannir. Toi-même, tu ne peux pas me bannir de ta vie parce que tu m'appartiens. Je veux que tu comprennes ça. Tu dois me répondre. Tu me prêteras attention. Cunette, tu me prêteras attention. Jusque-là, tu n'as encore rien vu. Retiens mes mots. Tu mourras seul. C'est toi qui vas mourir seul, sorcière. Toi, salopate à l'heure, hagard. Tu mourras seul, tu meurs déjà seul. Tu meurs déjà seule, sorcière. Onyeze. Tu t'es assuré que tout le monde n'est plus là? Oui. Il n'y a pas de garde dans la cour du palais. Toutes les servantes sont rentrées. Mais la princesse est dans sa chambre. Et le prince, oui, il est ici au palais, mais il n'est pas ici au salon là où nous sommes. Alors, quel est ce secret que tu veux me dire qui te pousse à avoir cette attitude? Obiézé, je veux avoir un autre fils.
Pardon? Obiezi, je suis certain que tu n'as pas seulement entendu ce que j'ai dit. Je sais que tu m'as compris parfaitement. Est-ce que j'ai entendu ce que tu as dit? Oui. Est-ce que j'ai compris ce que tu as dit? Non. Ok, je vais paraphraser ça. Juste pour bien te le clarifier. Obiezi, je veux avoir un autre garçon à part Benjamin. Tu veux que je te donne un fils à cet âge? Non. Tu veux épouser une autre femme? Non, et je vais te conseiller de savoir quelle et quelle question me poser au cours de cette discussion, s'il te plaît. Tu as engrossé une autre femme? Obiezi, je vais avaler cette insulte et te donner une autre opportunité pour bien deviner. Si toutes mes propositions ne rencontrent pas ton intention, alors dis-le-moi. Je crois que tu veux adopter un fils. Magnifique. Maintenant, tu parles comme cette femme intelligente que j'ai épousée. Maintenant, tu es sur la bonne voie. Exactement, c'est ce que je veux faire. Pourquoi? Mais pourquoi faire? Tu as déjà un fils. Ouais, je suis d'accord avec toi que j'ai un fils. Mais je n'ai pas d'héritier pour le trône du royaume d'Amouïfé. S'il te plaît. S'il te plaît, Onyézé. Tu as un héritier. Ton fils biologique. C'est un héritier. Il est l'héritier du trône. De quoi parlons-nous? Tu veux mettre Benjamin à côté? Eh bien, je ne veux pas en parler parce que j'ai déjà fait une déclaration à cet effet. Je veux juste avoir un héritier digne de ce nom pour le trône du royaume. Et ton fils biologique, c'est lui qui convient, ton héritier du trône. Pourquoi tu fais ça? Onyézé, je ne vais pas rester ici et te voir humilier Benjamin. Bien, Obiezi, s'il te plaît, je veux que tu comprennes quelque chose. Je t'ai appelé ici pour te parler de ce que j'ai décidé, en dehors des vues, parce que je continue à te voir comme cette belle femme que j'ai épousée, qui me donne la paix. Je t'informe juste. Je ne t'ai pas appelé ici pour demander ta permission. Pour quelque chose que j'ai déjà décidé de faire. Excuse-moi. Écoute. Tu m'as entendu. Je suis en train de faire venir ce fils dans cette famille royale. Et quand il vient, toi et moi devons faire équipe pour l'éduquer à titre d'un homme responsable dans le palais. C'est une décision que j'ai prise en tant que roi et rien ne la changera jamais. Il se pourrait aussi que ce soit la main de Dieu. Ceci peut mettre fin à cette folie qui existe entre moi et la famille royale. À vrai dire, Tudorfo n'est pas du tout mal. D'ailleurs, je peux voir qu'il s'inquiète beaucoup pour moi, bien qu'il ait une drôle de façon de les montrer. Je crois vraiment que la meilleure chose à faire serait de lui donner une chance. Cependant, je suis très contente du fait qu'il n'a pas voulu précipiter le mariage. J'espère seulement que quand nous allons mieux se connaître, je finirai par l'aimer de la façon dont il m'aime. Et je dis que ça n'arrivera pas. Selon qui, papa? Selon qui? Tous les cabinets du roi et la famille royale, le roi et sa femme, veulent que le prince épouse cette fille. Que tu le veuilles ou pas. Et alors? As-tu perdu la tête? Pourquoi me demandes-tu ça? Pratiquement tout le monde dans ce royaume est au courant que la famille royale sont en train de préparer cette fille pour qu'elle soit la femme du prince. Qui es-tu pour être contre ça? Je suis le seul homme qui la mérite, père. Voilà ce que je suis. Oh non, tu es devenu fou! Où est ton cerveau? Père, la seule raison pour laquelle je ne me suis pas encore marié à Messoma, c'est parce qu'elle ne m'a pas encore dit oui. Une fois qu'elle le fait, aussi longtemps que tu seras mon fils, aussi longtemps que tu porteras mon nom, tu ne vas plus voir ou parler à cette fille.
Je dirai qu'une seule chose, père. Bonne journée. Reviens ici. Je te parle, tu t'en vas. Reviens ici. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi tu me racontes tout ça. S'il te plaît, ne me méconfonds pas. Je sais juste d'être raisonnable. Tu ne peux pas continuer à réaliser ta relation avec Dudofo, sachant que ça ne sera pas une bonne chose. Ce n'est pas bien. Ah ah. Kamsi, tu as toujours voulu à ce que je sois proche de Dudofo. Alors, c'est quoi ce soudain changement? Je sais. Je voulais juste qu'il te vienne en aide et ne pas tomber amoureux de toi. Ha! Comment tu acceptes de commencer une relation avec lui, sachant que ça sera un danger pour lui? Tu veux que le roi le tue? Je n'en crois pas mes oreilles. J'ai vraiment du mal à te comprendre, Kamsi. Misoma, tu es mon ami et je t'aime beaucoup. Mais s'il te plaît, je ne veux pas que tu sois avec Dudofo. Ça sera dangereux pour lui. Hein? Essaie juste de me comprendre. Tout comme c'est dangereux pour toi de te mettre là et parler à ma meuf de la sorte. Mais comment... Comment je suis là? Je viens d'avoir un échange de paroles très tendu avec mon père concernant la même affaire. J'étais tellement en colère que j'ai quitté la maison. Et tout ce que je pouvais penser, c'est de venir entre les mains de Mesoma. J'étais tellement furieux, je ne me suis même pas vu conduire. J'étais là depuis longtemps. Je voulais vous accorder un peu de temps parce que je voulais que vous parliez. Mesoma, tu savais qu'il était ici depuis longtemps? Oh non, tu ne trouves pas que c'est une question très bête à poser, hein? Mais c'est quoi tout ça? Pourquoi j'ai ce sentiment que tous deux vous allez faire une chose stupide? Meso et moi avons décidé de quitter ce village. Non. Oui. Meso m'a d'accord pour venir avec moi à la cité. Oui. Comme ça, toute cette folie du prince va l'épouser, partira d'elle-même. Nous deux savons très bien que, après un moment, la famille royale va se fatiguer. Lorsqu'ils vont se rendre compte que le prince ne peut pas épouser Mesoma, ils vont se fatiguer et oublier cette affaire du mariage. Même si toi et père êtes contre, vous ne pouvez rien faire. Je veux vivre avec Mesoma. Mais ça ne finira pas bien. Ça ne finira pas du tout bien. Et comment es-tu sûr de ce que tu dis? Pourquoi il réagit comme ça? T'inquiète, tout ira bien. Ok? Situation devient compliquée. Et voilà, il ne décroche plus son téléphone. Est-ce cela veut dire qu'il sait que c'est moi qui appelle? Qu'est-ce qui a pris mon fils pour qu'il puisse se comporter de la sorte? Pour te dire vrai, oncle, je me sens un peu coupable. Trouvons comment les soutenir. Pour quelle fin? Comment puis-je soutenir une union qui va probablement détruire mon fils? Tout ce que je voulais est qu'il puisse raisonner avec moi. C'est tout. Je sais, mais... Père. Oui, Soma. Et cousine. Oh mon Dieu. Comment tu vas? Êtes-vous surpris de nous voir? Bonjour, monsieur. Père. Meso et moi, nous nous sommes finalement décidés de nous marier. Quoi? Oui. Cela ne suffisait pas à faire perdre mon fils la tête et te voilà revenir encore ici pour me cracher ça sur le visage. S'il te plaît, papa, s'il te plaît. Ne m'insulte pas en parlant à ma femme de la sorte, papa. Non.
Hein? Papa, Meso est tout ce que je veux et je le sais bien. S'il te plaît, tu as toujours voulu que je me marie, alors pourquoi tu te comportes de la sorte? C'est mieux de rester célibataire. Oui, c'est mieux de rester célibataire, mais en vie, au lieu d'être marié et ensuite tué par les rois. Tu sors les choses de leur contexte, papa, s'il te plaît. Calme-toi, rien de tel ne va arriver. Donc tu es devenu si stupide que tu n'arrives même plus à réfléchir? S'il vous plaît, il serait mieux de nous calmer un peu. Et prenons le temps de réfléchir comme des gens matures. S'il vous plaît. Est-ce que cela veut dire que tu es maintenant pour cette union? C'est ce que cela veut dire? Mes salutations. Comment puis-je vous aider? Oui, le roi demande la présence de la dame au palais. Pourquoi? On nous a rien dit, monsieur. On nous a juste demandé de l'emmener avec nous. On vous a juste demandé de l'emmener... Allez-vous deux, dégagez. Dégagez d'ici vite! Non, attends. Attends. Je pars avec eux. Quoi? Oui. Es-tu malade ou quoi? Je vais parfaitement bien. La famille royale peut être mauvaise, mais pas le roi. Il n'est pas un homme violent. Répondre à son appel, c'est la meilleure chose à faire. Ok, dans ces cas, j'irai avec toi. Non, tu n'as pas besoin de te déranger. Aussi longtemps que je vais être avec toi, je dois te garder très loin de la famille royale. Je te verrai plus tard. Allons-y. Mais seulement, je vais t'appeler. Papa, tu dois te calmer. Calme-toi. Ça ne me concerne pas. Tout ce qu'on comprend maintenant est que Cunette va se marier. Je crois que ça ne te concerne pas. Ça ne me concerne pas. D'accord. Quand je la trouve, tu sauras à quel point ça me concerne. Hé, si tu sors de ce palais, je vais te tuer avec ma main. Porte-parole de Dieu. Dis quelque chose de nouveau, je suis habitué à ça. Nous connaissons ton thème, c'est la menace. Je suis le tueur, tu n'as même pas le cœur de tuer. Tout ce que tu sais faire, c'est de pointer ce stupide ancien charme sur moi. Mais malheureusement, j'y suis habitué. Alors vas-y, pointe-le sur moi. Alors, si tu crois que je ne peux pas tuer, sors de ce palais, tu seras le premier à tomber. Oh, allez vous deux en enfer. Bonjour mon prince. Le roi m'a fait appel. Bonjour, votre majesté. Et pourquoi tu la regardes comme ça, toi ce chrétien? Mais Zoma, aussi bien que je suis vraiment surpris par ton changement, je ne vais pas te demander comment tu es arrivé à se transformer en cette femme qui est assise devant moi. Je vais ignorer cela et aller tout droit au but. Pourquoi tu as quitté ce royaume au moment où tu l'as fait sans nous informer? Est-ce que nos actions t'ont conduit à cela? Pas du tout, votre majesté. J'ai rencontré un garçon qui a prouvé qu'il s'intéressait vraiment à moi. Il avait proposé de m'aider, alors j'étais partie avec lui. Nous sommes retournés dans ces villages uniquement parce que nous voulons nous marier. Tu ne vas pas faire cette chose stupide que tu racontes. Tu ne te marieras avec personne. Père, mère, elle va être ma femme. Quoi? As-tu perdu la tête? Laquelle des questions dois-je répondre premièrement? Quoi? Ou bien as-tu perdu la tête? Ne vas-tu pas fermer ta bouche, grande sorcière? Ouais, chérie, s'il te plaît, présente-toi proprement à mes parents. Père, mère, voici la femme que je vais épouser. Sous votre respect, votre majesté,
Je peux voir que vous avez fini avec vos questions. Est-ce que je peux partir? Exactement. Je n'ai aucune intention de te garder ici contre ta volonté. Ce qui signifie, tu peux partir. Merci. Elle ne va nulle part. Elle ne va nulle part. Hé, chérie, j'aimerais que tu te présentes à mes parents. Voilà mon père et voici ma mère. Bien, jeune fille, je t'ai déjà dit, en tant que roi, que tu es libre de partir. Oui. Et moi, je te dis, en tant que ton prince et aussi ton mari, que tu ne vas nulle part. Allons, monsieur, n'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? Tu as voulu que je me marie avec mes hommes. Voici mes hommes et voici le prince Benjamin. J'attends à ce que tu prennes des selfies et passes ta bénédiction au lieu de crier, me demander de la laisser partir. Laisse-la partir. Laisse-la partir. Elle ne va aller nulle part parce qu'elle est déjà ma femme. Votre Majesté. Hey, tu la fermes. Oh, bien sûr. Bien sûr. Assieds-toi. Hein? Assieds-toi là-bas, mon homme. Misoma, qu'est-ce qui t'a retenu? Ah, rien de spécial. C'est le roi qui me faisait traîner. Es-tu sûr? Oui, j'en suis sûr. Où est parti Jide? Il est parti. Il est parti? Mais où? C'est pourquoi je t'attendais. Il n'a dit un mot. Que viens-tu de dire? Oncle, vous m'avez entendu. Je suis là pour demander la main de Mesoma. Oui. As-tu une voiture? Oui, j'en ai. Ta propre maison? J'en ai également. Tes propres affaires? J'ai plusieurs affaires, monsieur. Et tu es venu dans ma maison? Même pas avec un billet de Naira? Oh, pas vraiment, monsieur. Au fait, je voulais vous remettre ceci avant de partir. Prenez, monsieur. Ça, c'est très bien. Hein? Ça, c'est une bonne nouvelle. Bien sûr que tu peux épouser ma nièce. Oh, merci, monsieur. Merci beaucoup. Je l'ai beaucoup apprécié. Merci, en tout cas. Bien. Je vais me consulter avec d'autres anciens de la famille. Et je reviendrai vers toi. Merci. C'est ça. Merci beaucoup. En je suis tout tellement cas, merci content infiniment. Pour cette bonne nouvelle. Merci vraiment. Oh non. Alors, Onu, qu'est-ce que nous allons faire à ce sujet? Voyons comment la fille-là nous a humiliés devant la famille royale. Allons-nous la laisser se marier et être heureuse? Sur mon cadavre, tu fais quoi? Au moins, mais... D'ailleurs, j'ai un plan. Pourquoi tu n'as pas commencé cette discussion avec ça? Ah, ne sais-tu pas que nous sommes dehors? Veux-tu que d'autres oreilles écoutent ce que nous sommes en train de dire? Je demande encore... Pourquoi tu n'as pas commencé cette discussion avec ça? Oncle, je suis content que vous m'appeliez sans tarder. Et je suis content que tu sois venu aussitôt que j'ai appelé. Bien sûr, bien sûr. Voici mon beau-frère Oku. Il est l'oncle maternel de Mesoma. Oh, monsieur, je vous salue. Ça va, mon fils, je vous salue. Il est là pour une raison. Une raison?
J'espère que tout va bien. Pas exactement, mon fils. Mon beau-frère et moi t'avons invité ici pour te faire comprendre que le mariage entre toi et Mesoma ne peut pas être possible. Quoi? Comment? Pourquoi? Mon fils, le problème ne vient pas vraiment de nous. Ça ne provient pas de nous. Est-ce que Mesoma t'a parlé de la circonstance en rapport avec la mort de sa mère? Oui, elle l'a fait. T'a-t-elle aussi dit la vérité au sujet de toutes choses? La vérité à propos de tout? Monsieur, je ne comprends pas. Que voulez-vous dire? T'a-t-elle aussi raconté que depuis que sa mère était mariée à mon frère, sa mère n'a jamais été en bon terme avec la famille de son mari? T'a-t-elle aussi dit que, immédiatement après la mort de son père, sa mère a complètement coupé tout lien avec le reste de la famille? Quoi? T'a-t-elle aussi raconté que tous les efforts fournis pour s'occuper d'elle ont été rejetés? Est-ce qu'elle t'a aussi dit qu'immédiatement après la mort de sa mère, j'étais allé pour porter assistance afin de donner à sa mère un enterrement digne? Elle m'a chassé de leur maison. Elle est allée même jusqu'au point de réunir quelques membres de notre famille. Ils ont fait des dons en espèces, même en biens matériels comme des aliments, pour l'enterrement. Et je suis allé vers Mesoma. Et Mesoma m'a dit d'aller en enfer. Elle a creusé un petit trou et a mis sa mère à l'intérieur. Quoi? Oui, oh. C'est pourquoi les anciens dans notre famille refusons de participer dans tout ce qui est en rapport avec ce mariage. Jusqu'à ce que sa mère aura un enterrement qu'elle mérite. Toute la question ici est que si tu dois l'épouser, alors tu dois donner à sa défunte mère un enterrement digne. C'est exact. Et sans ça, il n'y aura pas de mariage. Je vois. Ok, oncle. Voilà ce qu'on va faire. Je vais vous remettre un chèque de 2 millions de naira avant de quitter ici. Je pense que ça va couvrir toutes les dépenses de l'enterrement. 2 millions. Mon fils, je pense que ça peut aller. C'est pour ça. Le moment. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi, ok? Pas de problème. Bon, finissons-en d'abord, ok? 2 millions. Jide, as-tu perdu la tête? Non, je vais bien. Tu es au courant qu'ils sont en train de mentir, mais tu es quand même allé leur remettre 2 millions de naira. Pourquoi? Oui, je l'ai fait. Tu sais, c'était très clair que tes oncles étaient en train de faire de leur mieux pour me stresser et saboter notre mariage, hein, chérie? Ils voulaient se jouer de moi. C'était une façon pour moi de leur dire que je ne me laisse pas faire. Et tu as laissé partir 2 millions de naira juste comme ça? Bébé, tu vaux plus que 2 millions. Il y a quoi? Je veux mes sommets. Je veux la voir. Je vais l'épouser. Ce n'est pas toi qui l'as qualifié de porc. Disons que rien ne te poussera à l'épouser. Qu'est-ce qui te fait changer d'avis? C'est un chien. Tu demandes. Cette chose debout ici est un chien qui ne peut pas résister devant une belle femme. C'est pourquoi il est debout ici en disant « Je la veux. Je veux mes hommes. » Tu es un imbécile. Père d'un chien. Père d'un fou. Je vais épouser mes hommes. Il n'y a rien que tu vas faire à ce sujet. Jidofo Onye Melukwe. C'est l'homme qui veut épouser Meso. Et c'est un homme très responsable. Un vrai bosseur qui a construit son empire en travaillant dur. Si tu es vraiment une personne qui vit dans ces villages et que tu ne les connais pas, cela veut dire que tu ne connais personne. Alors, si Meso dit qu'il veut la marier, donc cela veut dire qu'elle a décroché le jackpot. Parce que Jidofo est la meilleure chose qui nous puisse lui arriver. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as bien entendu. Okini. Qu'est-ce que tu viens de dire? Non, approche-la. Que veux-tu faire? Étrangler ma fille devant moi? Toi, ce cinglé. Sors d'ici avant que je te tue. Non, vas-y. Va la battre. Oh non. Pourquoi à chaque fois que nous essayons de ruiner le bonheur de Mesoma, nous échouons? Qu'y a-t-il aux yeux de cette fille? Je commence à avoir l'envie de me suicider. Et qu'est-ce que ce Jidofo a vu en elle et qui l'a amené à l'aimer tant? Ça ne me plaît pas du tout. Et cet amour est la raison pour laquelle on ne peut pas les séparer.
En fait, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas réussir à saboter leur relation. Quoi que nous fassions vraiment. Dis-moi ce que je ne connais pas. Ah, ah. Mais on doit trouver un moyen. Qu'allons-nous faire avec cet argent? Je ne peux pas imaginer que nous tenons 2 millions de naira dans nos mains et nous ne pouvons pas le dépenser. Je suis aussi confus que tu l'es. Parce que si on dépense cet argent sans l'impliquer dans les affaires d'enterrement, on pourrait avoir des soucis. Oh. Devons le retourner? Ah, retourner quoi? Pourquoi tu parles comme un enfant? Mais qu'est-ce que nous allons faire? Bien, je ne sais pas. Mais pour le moment, je vais le garder. Je ne veux pas de problème. Hey! Je vais le garder. Laisse-moi le garder. C'est moi qui vais le garder. C'est mon frère, alors c'est ma fille. C'est à moi de le garder. Ça veut dire quoi tout ça? Oh, ferme ta bouche, imbécile! Toi, un chauffe de bois infesté et tu évites que les lézards t'entourent? Es-tu malade? C'est toi le lézard? Excuse-moi. N'ose pas me chercher. Je ne t'ai jamais considéré comme un prince. Pourquoi es-tu en train de bloquer mon chemin? Pourquoi tu te tiens devant moi comme un fou? Pourquoi? Je vois que tu essaies d'être un homme. Éloigne-toi de mes sommets, sinon je rendrai ta lumière que tu vois très sombre pour toi. Je te décapiterai et te creverai la cervelle. Défie-moi et je te montrerai le début de ta mort. Éloigne-toi de mes hommes. Je ne te préviens pas. C'est une promesse. Chien blanc qui déconne avec des cochons et loups noirs. Je ne trouve pas ça amusant. Attends, laisse-moi te demander. Il a quel âge ton prince là? Parce que je n'ai jamais vu un adulte se comporter de la sorte. Il t'a menacé. Me menacer? Non, pas du tout. Il s'est moqué de lui-même. Peux-tu arrêter un instant? Oh, chérie, reviens. Oh mon Dieu. Un prince inutile. Mon prince, je te salue. Bonsoir. Il n'y a rien de bon au sujet de ce soir. Absolument rien. Peu importe si je suis accueilli dans cette porcherie que tu appelles maison. Maintenant, écoute-moi bien. Si par aventure, par erreur ou par accident, tu reçois la dot d'un autre homme à part moi, je transformerai ton corps en cadavre. Et je brûlerai ton corps jusqu'à ce que tes cendres s'éparpillent en l'air. Mais mon prince, il n'y a aucun mais. Je pense que je me suis fait comprendre. Oui, mon prince. Bien. Je suis sûr que tu sais que je suis capable de convertir mes menaces en réalité. Oui, mon prince. Bien. J'en ai fini. Ça, c'est quel genre de trouble comme ça? Hey! Si le trouble était une bicyclette, mais j'aurais pu l'arrêter.
gentleman, je dois confesser que je ne m'attendais pas à ceci. Oh, mon prince, tu devrais. Comment pourrions-nous laisser notre nièce épouser un prolétaire tel que Jide Ofo? Quand nous avons un prince qui est très bien intéressé en elle. Exactement, mon prince. Écoutez, nous avons trouvé un moyen de faire disparaître tous vos problèmes afin que mes sûrements deviennent vôtres. Oku, hein? Mon prince, ne t'en fais pas. On a toujours dit, hein, la raison du plus fort est toujours la meilleure. D'accord. Surprenez-moi. Mon prince, elle t'appartient. Suis-je en sécurité? Mombo, il y a un problème. Ouais. Un véritable problème. Un très grand problème. Et ça vient du prince. Du prince? Ouais. Et c'est quoi ce problème? Ah. C'est la première fois que nous venons dans ta maison. Et tu nous laisses debout sous le soleil. Où sont tes manières? Est-ce que vraiment tu peux te comporter de la sorte? Et tu ne l'as même pas trouvé juste de nous donner de la cola. Même pas du vin de palme. C'est ce genre de beau que tu vas être? Ah ah! Hein? Oh, mon prince, tu m'as fait venir. Ouais, j'ai envoyé t'appeler. Grand garde royal de mon royaume. Gentilhomme, tu vois, je suis très content aujourd'hui. Je n'avais jamais cru que quelqu'un puisse se débarrasser de ses problèmes, de ses misères au bout de ses doigts. Alors, je suis content. Mon prince, tu me rends confus avec ton sourire, tes déclarations et tout ce qui va avec. En tout cas, tu ne vas pas comprendre. Juste trouve-moi quelqu'un pour me mettre la table dehors avec une grande bouteille de vin. Je le ferai immédiatement. S'il te plaît, fais-le. Merci. Grand homme, gentil homme, grand chef de garde. Ah, ma jolie sœur. Ada du royaume de Amouyefe. T'es belle. Regarde comme tu es élégante. Est-ce que c'est à moi que tu t'adresses? Avons-nous deux Ada dans ce palais? Bien sûr, je te parle. Tu es belle. Je crus que tu avais arrêté. Est-ce que tu continues toujours à faire ce genre de choses? S'il te plaît. Tu dois te faire soigner. Si seulement tu sais comme je suis content. Si seulement tu sais. Mais pourquoi Tudofo ne répond pas aux messages si urgents? Et il ne prend même pas ses appels. C'est quel comportement étrange comme ça? Hein? C'est quoi le problème? Je ne pouvais pas croire que Aigle peut faire ce genre de choses. Je ne croyais pas qu'elle pouvait arriver jusqu'à ce point. Je ne sais même pas quoi faire. Ça sera désastreux. Apaisez-vous, ma reine. Le roi est juste en colère avec le prince. Je ne pense pas qu'il va le faire. Hein? Il a déjà commencé le processus d'adoption. J'ai vu les documents dans l'un de ses tiroirs. Ça sera un désastre. Ma reine, êtes-vous sûre de ce que vous dites? Oui, on doit l'arrêter. Ono, aide-moi. Arrête-le, s'il te plaît. Donc, mon père veut me remplacer avec un bâtard. On verra. Bonjour, mon prince. C'est fait, c'est fait. Merci beaucoup. Vous venez de faire de moi un homme heureux. Merci, mon prince. Merci. Où êtes-vous maintenant? En fait, nous sommes dans le domaine que tu avais décrit là. Je peux te dire qu'on l'a beaucoup apprécié. Anolo, dis-lui que nous attendons toujours la personne qui va apporter les clés. Il n'est pas encore là. Oui, mon prince. On attend toujours la personne qui doit nous apporter la clé. Oui, pour que nous puissions y entrer. D'accord. Restez là, la personne viendra vous voir. Ok, mon prince.
au courant. Voici les exemplaires. C'est ça. Qu'ils m'ont envoyé. Ok. Je les ai déjà envoyés dans ton email. Tu dois le parcourir, puis faire ton choix. Une fois que tu décides, on peut procéder avec ça. Ok, papa. Votre Majesté. Qu'est-ce qu'il y a? Les filles qui sont parties au marché sont revenues avec une très mauvaise nouvelle. Jiki, peux-tu parler? Quel est le problème? Ah, mon roi, vous devez faire quelque chose avant que tous les villageois ne mettent ça dans leur tête et qu'ils puissent les lapider à mort. Lapider qui à mort? En fait, de quoi parles-tu? Votre Majesté, ma princesse. Toi, fils du mal, qu'as-tu fait? Cette pauvre fille, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Pourquoi es-tu si méchant? As-tu perdu la tête? Enlève tes sales mains avant que je ne les coupe en pièces. Je te défie, Benjamin. Je te défie. Pourquoi es-tu si diabolique? Je le dis encore. Enlève tes sales mains de moi. Toi, sale pute! Es-tu malade? Je vais te coller la honte. Je vais tout faire pour découvrir réellement ce qui s'est passé. Et quand je le saurai, crois-moi, je t'exposerai. Vas-y, sœur. Je voudrais te voir essayer. Mais Soma est mienne. Il n'y a rien que tu puisses faire à ce sujet. Parfait. C'est exactement ce qu'on verra. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cours vite comme ça? Tu les savais depuis longtemps. Étais-tu au courant? Donc c'est pour ça que tu n'as jamais voulu de mon mariage avec Tudorfo? Au courant de quoi? Je ne comprends pas. Explique-moi. Mais ça... Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi tu me dis tout ça. S'il te plaît, ne me comprends pas. J'essaie juste d'être raisonnable. Tu ne peux continuer à penser à épouser Didorfo, sachant que ça ne sera pas une bonne chose.
Ce n'est pas bien. Ah ah. Kamsi, tu as toujours voulu que je sois proche de Jidofo. Alors, c'est quoi ce changement soudain? Misoma, tu es mon ami et je t'aime beaucoup. Mais s'il te plaît, je ne veux pas que tu sois avec Jidofo. C'est très dangereux pour lui. Pourquoi je n'avais pas vu les choses sur cet angle? Pourquoi je ne l'avais pas suspecté? Dieu! Je croyais que tu avais envoyé cet homme pour moi. Comment un homme que j'ai choisi pour devenir mon mari peut coucher avec sa propre cousine? C'était l'abomination, mon Dieu! Papa, papa, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends rien. Hein? On n'a rien fait du tout. Oui, oncle, je peux jurer sur ma vie. On n'a rien fait, honnêtement. Papa, on n'a rien fait, je ne comprends pas. Ah! Ah! Oncle. Papa? Ah! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Oncle. Ah! Papa! Ah! Papa! 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 Oncle! Papa! Je sais de quoi je parle, papa. Je suis très sûre. Viens. Je sais que Benjamin est capable de faire n'importe quoi. Je sais que c'est un meurtrier. Mais je suis toujours en train de rassembler les effets. Comment est-ce possible de droguer un homme assez âgé avec une femme assez adulte, les laisser presque nus et le mettre dans une position compromettante? Ça, je ne comprends pas. Il a dû sûrement faire ça avec un complice, ou soit des complices. Qui sont-ils? Osiaga. Votre Majesté. Tu dois vite faire quelque chose. Je veux que tu quittes. Rassemble tous les aînés pertinents que nous avons dans cette communauté. Conduis-les dans la maison de Issié Nduka. Et qu'ils arrêtent tout le monde. Qu'ils ne rendent pas justice eux-mêmes. Oui, Majesté. Écoute-moi. Je viens d'émettre un ordre royal spécifique à ce sujet. Fais savoir aux gens que je vais gérer cette affaire moi-même. Je le ferai immédiatement, Majesté. Je crois que tu as raison. Ne donnons pas l'impression que nous sommes en train de découvrir un acte de déshonneur et d'inceste. Je suis d'accord, maman. Je suis entièrement d'accord. Mais s'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, tu ne peux pas croire à ce que tu as vu. Non, ce n'est pas possible, tu ne peux pas croire ça. S'il te plaît, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Jidofo, ça m'est complètement égal ce que pourrait être la vérité. Tout ce que je veux, c'est quitter cet endroit à l'immédiat. Laisse-moi. Non, tu ne peux pas partir, pas maintenant. Tu sais, je viens de perdre mon père, s'il te plaît. Tu l'as tué. Quoi? Foutaise. Onon et Okutulde sont morts. Leurs corps ont été découverts par un passant. Es-tu au courant de ça? Ces hommes étaient venus te rendre visite récemment ici dans le palais.
et maintenant ils sont morts. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que tu insinues, madame? Même un fou va relier ces deux faits. Ils étaient venus te voir il n'y a pas longtemps. Et maintenant, le scandale est arrivé, impliquant leur nièce. Et soudainement, ils sont tous morts. Cela pourrait-il être le fruit de ta méchanceté? Ils sont morts, n'est-ce pas? Tu n'as rien à t'inquiéter. Tu dois être sûr que je continue avec les enquêtes jusqu'à ce que la vérité éclate. Quand je t'avais dit à quel point mes hommes m'est cher, tu n'as pas compris ce que je signifiais. Onu et Oku n'étaient qu'un moyen pour une fin. Onu et Oku m'ont en réalité visité. Ils étaient venus ici rendant leur service pour trahir leur propre nièce. Quelqu'une dont ils devraient prendre soin. Alors je les ai utilisés et les ai mis là où ils appartiennent. Je leur suis toujours reconnaissant pour avoir piégé ce bâtard d'Idofo. Car l'inceste est le meilleur pour moi de l'abattre complètement. Donc tu confirmes vraiment que c'est toi qui avais planifié tout ça? Avec qui? Mes éléments. Mes vrais éléments. Éléments qui ne peuvent jamais me trahir. Les éléments qui ont juré leur fidélité pour toujours. Ma chère sœur, je suis une encyclopédie. Plus l'on essaie de me comprendre, plus confus l'on devient. Maintenant, disparaît de ma vue. Pute! Oh mon Dieu. Juste calme-toi, Meso. C'est pour ça que je suis là. De la même manière que ma famille voulait que tu te maries au prince, je suis là aujourd'hui pour t'apporter ces preuves. Meso, aucun homme au monde ne te mérite plus que Jidofo. Tu aurais dû croire en lui. Quelqu'un était là uniquement pour les droguer. Ensuite, les exposer. Juste pour toi. Maintenant, tu sais quoi faire. Qu'est-ce que je fais, mon Dieu? Calme-toi. Essaie de te maîtriser. Jide? Kamsi? Où sont-ils? Jide? Kamsi? Je leur suis toujours reconnaissant.
Comment, dans ce monde, ce monstre peut venir de moi? Je ne peux toujours pas le croire. Jusqu'où un être humain peut aller? Tout simplement pour exécuter la méchanceté. Honnêtement, je ne sais pas ce que je peux dire ou ce que je peux faire. Benjamin me prouve réellement que je ne les connais pas du tout. Maintenant que nous connaissons le genre de démon que nous avons dans cette famille et savons jusqu'où il peut aller avec ses esprits démoniaques, ne pouvions-nous pas informer la police pour qu'ils viennent faire leur travail comme il se doit? Bébé, oh, je croyais que tu étais parti. Oh mon Dieu, Dieu merci, je t'ai trouvé. Je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir cru. Désolée de t'avoir rejeté. C'était entièrement de ma faute. S'il te plaît, pardonne-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as changé d'avis? J'ai découvert la vérité plus tard. J'ai compris que tu étais innocent. Je suis vraiment désolée de tout. Où est Kamsi? Parti. Tu veux dire quoi par là? Parti où? Son fiancé était venu, il a pris. Il a dit qu'il veut l'éloigner de ce village et toute sa folie. Avant qu'on enterre mon père a cru en ça et ma fiancée également. Bébé, je suis désolée, je suis vraiment désolée. Si tu étais à ma place, toi aussi tu allais faire de même. Je suis désolée, pardonne-moi bébé. Alors, où est-ce que tu vas? Je suis en train de quitter. Partir pour aller où? Je vais juste partir, je ne sais pas où, quelque part en dehors de ce village, juste pour penser comment enterrer mon père. Non, tu ne peux pas partir. Bébé, je t'en prie, tu ne peux pas partir. Ça a été prouvé que tu es innocent. Et très bientôt, tout le monde le saura. Je t'en prie, ne pars pas. Ok? Mais si tu insistes toujours, alors dans ce cas, je viens avec toi. Parce que la seule place où je peux trouver la paix, le seul endroit où j'appartiens, c'est à tes côtés. Ne me pousse pas loin de toi, pitié. Odogwu, je suis confus. Rien ne fonctionne comme prévu. Mon fils a tout gâché. Jusqu'au point que la fille, la jeune fille, que nous avons prévu qu'il épouse, a maintenant trouvé elle-même un autre jeune homme. Et ce nouveau jeune homme est celui qu'elle veut épouser maintenant. Je ne sais pas, comment pouvons-nous procéder autrement? Je suis désolé, Votre Majesté. Cela n'est pas vraiment si grave. En tout cas, pas pour le moment, Votre Majesté. Excuse-moi. Le prince, votre fils, lorsqu'il avait tué cette femme, les dieux l'avaient considéré comme un accident. Maintenant, il vient de tuer à nouveau. Les dieux sont en colère. Je comprends ce que cela veut dire. Mais dis-moi, comment allons-nous remédier à cela? Prince, quand est-ce que tu me laisseras en paix? Quand tu m'auras donné ce que je veux. Même la transformation de Isioma ne l'a pas rendue aussi belle comme toi. Je prends ça comme un compliment, mon prince. Je l'apprécie. Mais ce que tu me demandes, je ne peux pas le faire. Seulement si tu promets de faire de moi ta femme. Réellement? Peux-tu être ma femme? Peux-tu réellement être ma femme? Bien sûr. N'importe quelle servante qui fait partie des staffs du roi peut devenir une reine. Tu peux le vérifier, mon prince.
Mon prince, le roi souhaite vous voir. Et selon ce que je pense, c'est urgent. On n'a pas encore fini. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ai-je fait quelque chose de mal? Je n'ai pas dit que tu as fait quelque chose de mauvais. N'oublie pas qui sont tes parents. Ce prince a perdu sa valeur et son respect comme un prince devant tout le monde. Ça veut dire quoi? Écoute, si tu devrais perdre ta virginité, ça doit être avec un homme qui vaut la peine. Benjamin est un animal, mais dans sa tête, il pense qu'il est un prince dans ses palais. Tu sais quoi, père? Tes soi-disant dieux finiront par se faire ridiculiser. Tu sais pourquoi? Mais Soma m'est finalement revenu. Disons que je n'avais pas compris au début que les dieux l'ont voulu ainsi pour moi. Mais maintenant que je l'ai réalisé, père, il fallait voir à quel point elle est élégante, une véritable quintessence de beauté. Tu es vraiment pathétique. Un jeune homme comme toi a vu ce que tu n'as pas vu. Et il a utilisé l'argent de la sueur de son front pour transformer mes hommes à cette beauté incontestable qui attire ton attention maintenant. Et tu te pointes devant moi, pensant qu'elle est la tienne. Père, t'as pas compris. Je ne pense pas, je suis certain. Elle est mienne. Oh, tais-toi Benjamin et reviens à la réalité. Mais Soma n'est pas à toi. Elle n'a jamais été à toi et elle ne sera jamais à toi. Vous voyez pourquoi j'ai toujours dit que juste un jour, quelque chose s'éclatera ici et je tuerai cette chose. Mon nom est Myriam. Je ne suis pas seulement la princesse du royaume d'Amaïfé. Je suis aussi Ada, de la terre d'Amaïfé. Un loser de ton genre ne pourra pas tuer une femme comme moi. Tu te moques de moi. Tu te moques de moi, tu ne vas rien dire. Elle m'appelle lézard et tu ne vas rien dire. N'est-ce pas? Je viens à peine de recevoir l'appel de Messoma. Elle s'est réconciliée avec Jidofo. Il ira payer sa dot aujourd'hui même. Quoi? Ah oui. Hé, hey, hein? Où vas-tu? Soudainement, tu peux parler. Soudainement, tu sais comment parler. Il y a quelques secondes, tu étais muette. Cette pute, cette sorcière m'insultait, m'appelait partout, non? M'appelait les arts, tu n'avais rien dit. Jusqu'à je veux aller voir ce cochon qui veut prendre ce que les dieux m'ont destiné, tu veux parler. Arrête-moi encore. Démon! Lui, c'est le fils prodigue. Ne laisse pas ces bêtises t'affecter. Chérie, essaie de penser à ça. Ne peux-tu pas abandonner les cadeaux que ta mère t'a laissés? Hein? C'est démodé, tu ne peux pas venir avec à la cité. Chérie, as-tu oublié ce que je t'avais dit? Ma maman m'avait vivement recommandé de ne pas aller à la maison de mon mari sans ses cadeaux. J'avais oublié de les récupérer hier lors de notre mariage. Alors je le fais maintenant. Dépêche-toi, hein? Ok, bébé. Surpris de me voir. Bien, je t'ai suivi jusqu'à cet endroit pour t'enseigner une leçon que tu ne vas jamais oublier. Jeune homme, sommes-nous toujours sur cette affaire? Hein? J'ai dû épouser Messoma, pourquoi tu ne peux pas nous laisser tranquille? Vas-tu fermer ta bouche? C'est cette foutaise que tu as faite, c'est ce que tu appelles mariage. Es-tu malade? Tu as l'audace d'appeler la femme avec qui Dieu m'a béni ta femme. Es-tu malade? Contrôle ton langage. Tu penses que je plaisante avec toi? Es-tu malade? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une arme. T'es malade? Pierre chérie. S'il te plaît, calme-toi. Hé, silence. Qu'est-ce que tu portes? C'est quoi ça? Qu'est-ce que cette chose que tu portes? C'était un cadeau de ma mère. Elle m'avait dit que je ne pouvais pas aller à la maison de mon mari sans cette chose. C'est pour ça qu'on est venu la récupérer. Ah, maintenant je vois pourquoi j'ai été poussé de venir ici. Le cadeau est mien, retourne-le. Quoi? Quoi? Hé! Non,
petit bouger, je t'éclate la cervelle. Hé, hey, n'essaie même pas d'être stupide. Aïe, aïe. Chérie, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, peut-être qu'on doit juste aller à la police. On va leur dire ce qu'on a vu. Ok. Prince. Je suis désolé pour cette perte, Votre Majesté. Il y a certaines choses dans la vie qui sont inévitables. Odogun Afozo, en tant que père, je me vois comme un raté. J'aurais dû le transformer en l'homme que je voulais qu'il soit. Mais j'ai échoué dans cette responsabilité et maintenant, je le regrette. La vie n'est faite que de choix. Étant parent, vous pouvez essayer d'éduquer un enfant comme vous le souhaitez. Mais éventuellement, cet enfant va grandir et il va choisir entre le bien et le mal. Et ça, c'est ce que le prince a fait. Votre Majesté, ce n'est pas de votre faute. Mais voici, je suis maintenant un roi sans héritier. Ne vois-tu pas à quel point je suis frustré? Votre Majesté, les dieux nous permettront toujours de faire notre volonté. Et après, ils nous feront comprendre qu'on ne peut rien faire dans cette vie sans eux. Est-ce que tu me dis quelque chose par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est lui qui va finalement épouser la fille en question sera l'héritier du trône. Il est l'héritier du trône. De quoi parles-tu? Celui qui a finalement épousé la fille est Didorfo. Didorfo est le fils de Essien Duka qui a été emporté par la crise cardiaque. Comment est-il le prince héritier? Comment est-il l'héritier du trône? Votre Majesté, demandez à votre femme. Elle va confirmer que Oliedo, la belle sirène de Atama, lui avait révélé ceci, ça fait longtemps. Sa mère s'appelle Ozodema, la fille de Owama Wankeke. Vous ne saviez pas tout ça? Maintenant vous le savez. Ozodema, la fille de Owama Wankeke. Je me rappelle d'elle. Vous vous rappelez? Vous avez eu quelque chose avec elle. Cette chose a produit une grossesse. L'enfant, c'est celui que Ichendoka avait nommé Didorfo et avait présenté à Koko Omona comme fils. Obiezé, je veux que tu commences à parler. Le grand prêtre de Nonkwa vient de le confirmer. Il a dit que Oledo, la belle Sia de Akama, t'a une fois mentionné ceci au cours d'une consultation. Peux-tu me dire exactement ce qu'elle a dit? C'était un héritier du trône. Et cette fille a des rôles à jouer dans ce sens. Il pourra la perdre à cause de sa stupidité. Un autre l'épousera et l'histoire des Ofamuife changera. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Il doit chercher un moyen.
Il doit faire de son mieux pour convaincre la fille. Pas par force, mais il doit faire preuve d'amour. C'est alors que la fille commencera à l'aimer. Beaucoup de choses sont attachées à cette fille. Il ne faut pas que ton fils la perde. Sinon, sa vie ne sera plus la même. S'il vous plaît, est-ce que j'ai un rôle à jouer dans ce sens? Ou encore, est-ce que le roi peut faire quelque chose pour la persuader? Je te demande toutes ces choses parce que mon fils n'est pas coopératif. Il n'y a rien que toi ou quelqu'un d'autre peut faire. Toute la charge est sur le prince. S'il y a quelqu'un qui doit chercher à être pardonné, ça ne sera que ton fils. Il a commis un crime. Il doit faire face à ça. Sinon, la force de la nature les détruira. Pour apaiser l'âme de l'illustre disparu. Ça lui détruira, tu dis? Attends, tu es en train de dire que mon fils va mourir juste à cause de ça? Je n'ai jamais vu quelqu'un être affronté par la force de la nature, survivre. Ton fils doit convaincre cette fille, pas seulement pour qu'il vive, mais aussi pour succéder son père. Pourquoi tu ne l'as pas partagé avec moi jusqu'à présent? Mon roi, avec tout le respect, on a déjà dépassé ces niveaux. Tu as un fils qui va venir après toi. Pourquoi ne le cherches-tu pas? Comme ça, je vais retrouver ma paix. J'ai déjà perdu un fils. Je ne vais pas te perdre. Mais comment il se retrouve chez Issy Ndouka comme son fils? Papa, Votre Majesté, le voyant a raison. Kamsi aussi l'a confirmé. Confirmé quoi? Votre Majesté, mon père m'a dit un truc avant de mourir. Je n'ai jamais compris ça jusqu'au maintenant. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il est mon fils. Mais il n'est pas mon fils. Oncle, ça veut dire quoi? Selon ce que sa mère m'avait dit, il vient d'un roi. Un roi très puissant. Mais elle avait préféré taire le nom. Un jour viendra où tu seras la seule témoin de cette histoire. Et n'oublie pas de te rappeler de ce que je viens de te dire. Oncle, tu me rends de plus en plus confuse. Es-tu en train de dire que Jidofo n'est pas un membre de notre famille? Il est devenu membre de notre famille. Et c'était suite à la déclaration de Okoko. Il est l'un de nous. N'ose pas lui dire ça. Mais je sais qu'un jour viendra que ça va sortir. Rappelle-toi très bien de tout ce que j'ai dit ici. Votre Majesté, mon oncle n'a jamais mentionné les noms de ce roi. Mais nous basons de ce que je viens de vous raconter maintenant. Votre Majesté, c'est vous le roi. Et Jidofo sera très ému de rencontrer son père biologique. Jidofo, c'est en effet une journée inoubliable. Quand Dieu décide de faire quelque chose, il fait ça à sa manière. Il l'a fait de telle manière qu'une journée de sorte arrive. Quand tu seras devant le roi en tant que fils du roi, je vais te dire quelque chose. Maintenant que tu es présenté comme le prince héritier du trône du royaume d'Amouifé,
je veux t'assurer que ton règne comme roi après moi ne connaîtra pas le genre de turbulence que mon règne a expérimenté. En ce moment où tu te tiens devant moi avec ta belle épouse, je te dis aujourd'hui que ce sont des fils et des filles décents que tu éleveras. Et ta femme te donnera la paix et elle connaîtra la prospérité durant toute sa vie. Tu régneras en paix. Tu iras en paix. Et tu mourras en paix. Au nom du Tout-Puissant. Hein, Odogo, Odogo, Odogo. Hein? Allez, viens là, frérot. Hein?